C'est purement professionnel. Si vous voulez, on en parlera avec un supérieur si vous avez peur, mais moi je vous déconseille clairement de mettre ce genre de casquette. Hein. Peut-être une casquette plus blanche ou noire, là ça va mieux pour le cerveau, hein, mais là les noirs comme ça, enfin les. Oh là my god. Oui. Les vertes comme ça, Oui. kaki, hein, qui va pas du tout avec la tenue, hein, c'est no way quoi. Qu'est-ce que vous avez? Ah. Vous gueulez à chaque fois que je vous vois, j'en peux plus. Elle bah touche oui, à fond. Hein. Non, c'est elle qui ah. Ah, oui, faut que tu me dises à moi. Oh la bagarre! Hein. Ah, mais heureusement, c'est ça quoi! Je suis pas versatile, j'aime pas qu'on me casse les kiwis. Oh, j'aurais pas aimé tout ce que vous avez dit. Hein. Heureusement, je suis pas là pour faire des conflits, hein, mais bon, moi j'aurais pas aimé. Hein. Pas allez, là, c'est bon, je prends ça. Ah quoi? C'est quoi l'essence? L'essence de la télé-réalité, hein. Des gens, en fait, c'est des futurs stars, on les met dedans, dans une maison, hein. Ils sont tous beaux, hein. Et en fait, ils ça baise et ça se défonce, hein. Un peu, ouais. C'est entre... Mi-baise et entre-tu, hein. Et il y a du sang qui zicle et tout, pas hein. Non, pas du tout, hein. Il se passe rien du tout. Oh, putain. C'est juste, hein, d'un coup, hein, t'as quelqu'un, il vole une tranche de jambon, et l'autre a fait « Quoi? T'as volé ma tranche de jambon, hein? Et en plus, t'as baisé mon mec, hein? » Et après, du coup, hein, et ben là, t'as Matthew, il arrive, hein, il se tape, hein, et en fait, après, derrière, il y a une meuf, elle arrive, elle griffe, hein, et après, il y a combat de meuf et combat de mec, et après, il y a tout le monde qui fait « Wow, 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 wow! » Tu vois un peu le truc, hein? Et après, c'est la pub, hein. Ouais, ça va de ouf, ouais. Mais c'est juste avant, c'est la pub, hein. Et après, il y a quelqu'un qui arrive, ils font « Bon, allez, on va en boîte !» Et tout le monde fait « Ouais, génial !» Et après, il y a un mec, et bah, du coup, hein, ils y vont, et il y a des couples en plus en dedans, et du coup, il y a des couples. Hein. Et bah, souvent, il y a le mec, il arrive, il va ken une meuf au hasard, random, devant sa meuf, et après, il s'étonne pourquoi elle est vénère. Hein. Je te laisse faire et je juge, hein, t'inquiète pas. Hein. Non. Arrête. C'est la part nuptiale. Exactement. Vas-y, hein, fais le cri, hein, fais le cri de l'animal qui. Alors, ça t'a dit. Bah c'est parti, hein, la tête dans le cul. Hein. Allez, let's go. Mal, hein. Ah, c'est vrai que le patriote s'est un peu fait défoncer le cul quand même. Hein. De quoi? Bah tu vois, si ah j'étais oui, un oui. Mac, le Patriote, c'est ma pute, hein. Il a plus de cul. Ah, il s'est fait des... Ah, il est très rentable, hein. Ah, là, pour le coup. Il a pris cher, mais putain, il a aimé, hein. Ah bah là, ouais, j'espère qu'il a aimé, hein. Ah ouais. Allez, on y retourne, hein. Mais c'est ça, ça fait la cassure, en fait. Head fashion, c'est un peu être en avance devant tout le monde, quoi. Mmh. Et là, en fait, hein, ça fait le bas un peu grunge, vous voyez, un peu comme les punks. Et le haut, on dirait que je dirige un cartel de pute, hein. Et du coup, hein, ça fait un truc Mac and punk, hein. D'accord. De quoi? C'est du Peura de la cité. Yo, je prends des putes pour niquer ta mère. Je tiffe de la coke dans le cul de ta mère. J'adore la résine de cannabis. J'en fume dans mon hôtel Ibis. Ça, c'est du rap. Waouh, c'est. Ouais, merci. Très profond dans le cul de ma mère. Yo, je voudrais du poulet frit. Hein. Bah s'il te plaît, hein, j'ai de la street. Hein. Ça marche. Il fume. Combien? Tout, hein. Et je prends la caisse aussi, hein, parce que j'ai de la street. Hein. Ah ouais, carrément. Tout, à la street, quoi. Ah oh, ouais, j'ai pas la photo sur le game. Ah, j'immortalise ça. Wow. Oh wow. Aïe. Wow. Je crois qu'il y a des dirigeants qui sont en train de vouloir faire un enfant là-haut. Ah. Ah ouais. C'est comme ça qu'on fait les bébés dirigeables. Ah bah ils ont réussi à. Je lis mot pour mot, hein. Vas-y. Bien sûr. C'est positif. Putain Arthur. Tu m'entends Arthur? Il fait un arrêt là, non? Qu'est-ce que c'est bruit, ça se met dans le bruit. Ouais, non Arthur. On est d'accord, c'est mon papa, c'est moi qui touche l'héritage. Non mais... Pardon, réflexe, hein. Alors, oh my god. On va le mettre sur le côté. S'il parle là. T'as vu la tête de Glanxé, ouais. Ça y est, c'est bon, je me casse. Hein. Je démissionne. Hein. Vous avez entendu, hein, je démissionne. Hein wow. Attends, calme-toi un petit peu, prends ton temps. Je démissionne pas du tout, non, je te confirme. Il y a
Tranquille. Quoi ? Souffle un peu, je sais, c'est compliqué. Ok, je démissionne pas, Arthur, t'es viré. Hein. Non, toujours pas, non. Ok, je démissionne pas, Arthur, t'es pas viré, mais je fais la gueule. Peut-être que vous avez peut-être des choses à apprendre sur vous deux. Peut-être que vous avez plus de points communs que vous ne le pensez. Bah... Ouais, bah déjà, il a baisé ma mère, donc ça fait un petit peu... Enfin non, ça fait pas un point commun, mais vous voyez ce que je veux dire. Car, c'est votre père, quoi. Coucou. Salut, hein. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, vous-même. Ah bah ça va, et vous? Ah, je reconnais cette voix. Bah ça va, c'est qui, Clodo, hein? Bah, c'est mieux, quand même. Bah, comment allez-vous, monsieur Johnson? Ah, oh, bonjour, monsieur Johnson. Mes cœurs. Ah bah... déjà, ça c'est fini. Bon, allez, viens, je vais t'emmener ça en brancard. Ah, merde. Aïe. Ah, tu tiens pas debout, hein. Non, est-ce que tu te rends compte de ce qu'aurait perdu la planète si tu étais mort? Ah, la Terre est très détruite. Exactement, ça aurait implosé, donc maintenant. Ouais. Putain, mais quel gros con. Avec un smiley. Excuse-moi, c'est sorti tout seul, mais en fait, c'est quoi le but, à part faire de la rétention d'informations? Je voulais dire, c'est bien, tu confirmes l'hypothèse comme quoi t'étais une merde. Hein. Il va falloir passer à la maison. Hein. Aïe. Gueule, hein. C'est quoi ça, hein? Bonne nuit. Bonne nuit, ah d'accord. Ouais, j'arrive pas à lui... Quelle ambiance? Ah, l'air de ouf. C'est un plaisir de vivre avec toi, Nicolas. Je crois que c'est la première fois en 3 semaines qu'on le croise à la baraque. C'est clair. J'espère que j'ai pas trop dérangé, du coup. Non, t'inquiète, je cherche à manger, hein, puis hein, j'ai pris tous les risques pour revenir ici, hein, pour te mettre une pommade, parce que tu t'es pris des boules de neige en caillou, hein, mais t'inquiète. Lourd. T'inquiète, après, on est là pour risquer nos vies, hein, pour des gens qui ont des petites bosses de boules de neige, quoi, je comprends. C'est... Ah non, mais j'aimerais bien pouvoir partir et faire « comme ça, et pas faire « j'ai le cul qui se chasse hein. ». Là, je l'avoue. Ah, j'ai cru qu'il chasse, hein! Ouais, c'est pas grave. Yeux dans les yeux, ça fait très très peur. Lâche! Je m'entends. Bonjour. C'est ta fouture. Bonjour. C'est ta fouture. Toujours bonjour. Donnez-moi 3 chiffres entre 0, entre 1 et 17 ans. Hein. Au hasard? Bah ouais. 1, 2, 3. Vache, hein, vous avez l'air vraiment de puer le fun, quoi. C'est fou. Hein. Ah. Mais oh là là! Salut, ça va? Hein. Là. Ah bah non, non! Désolé, il a parlé de prune qui roulait des pelles à Francis, alors Francis c'est le père, hein. C'est n'importe quoi. Pourquoi je peux te dire plus? Non, j'ai rien compris. C'est d'abord Gloire et Chaton, hein. C'est une série, c'est trop bien. C'est... Compte, Francis, il sortirait avec Prune. Non, et mais c'est n'importe quoi, Francis qui n'importe sort avec quoi. Prune. Ouais. Non, mais Francis, il verrait Prune, il ferait là, là, là. Oh my god, oh my god. Il lui montrerait ici, ici et ici. En clair. Ouais, bonjour, c'est Flamboux. Bah oui, bah t'es en retard, hein. Ça fait 2 heures que je t'attends là. Ah, je t'aime, Kim, fais-moi des bébés, alors épouse-moi. Kim, moi c'est un connard, hein. Quoi? Attends, mais Flambox, ouais. T'arrive quoi là? En fait, c'est Calmaker, je suis ton plus grand fan. Hein. Je se marie, je connais des enfants, une balançoire et une maison avec. Et on donnera envie rageux. Hein. T'as qui ça? Oh, y'a encore un bouseux qui a trouvé mon numéro. Et bon courage dans ta recherche de la femme. J'ai une femme là. J'ai une femme que moi, mais t'inquiète. Une femme là. Oh non, no way, non, raccroche pas. Pitié. Oh non. Oh la pute. Hop. Eh, hey, dans tous les cas, elle te méritait pas, Kyle. Elle te méritait pas, Kyle. Pas, Kyle. Tu veux bien me le ça, Kyle? Non. Non. Non, c'est pas. Non. Tu vaux bien mieux que ça, Kyle. Oh my god.
Vous avez vu comment je l'ai... Vous avez vu, elle voulait grave sortir avec moi, j'ai dit non. Ouais. Ah ouais, à deux ouais, ouf, là. Totalement. Ouais, ouais là, t'es, là. Elle, t'es à fond sur toi là, tu... Ouais, ouais, ouais heureusement c'est gardé mon sang froid. Coupin. Ça va, ça un petit peu, là. Mais ouais, j'ai pris un petit piquet de merde là, tu sais, ce qui déconne. Oh merde, oh my... Ah du coup j'ai... Oh my god. Jeanne. Oui. Vous êtes des malades, hein. Malade. Vous croyez quoi que je vous ai pas reconnu hein? C'est moi qui sais aux hommes au niveau du braquage hein? Pourquoi vous faites ça hein? Vous êtes des malades hein? Mais ça va, on a des criminels comme otages. Sérieux, vous savez, c'est qui vos otages hein? C'est les Lost. Pardon. Putain, il est froid le carrelage. Ouais, un petit peu, oui. C'est génial, hein? Vous faites des courses d'handicapés hein? Oui. Non, on fait un peu de nettoyage en même temps. Ah ouais, non mais c'est vraiment pratique. Hein. Je recommence sur la longueur, je vous fais les côtés après. Ok, alors, super, merci. Il barre un peu, puis après il essuie. Putain. Jamais ah là, Michel. Hein. Je vais te mourir. Hein. Ah, t'es pas obligé de tout casser. Hein. Ah ouais. Attendez. Ouais, qu'est-ce qui touche pas, t'es Kyle. Fils de pute. Comment t'as attendu? Comment t'as attendu là? Aujourd'hui, tu vas niquer des mères. Qu'est-ce qui touche pas, t'es Kyle. C'est mes frères. Elle ne boit pas de verre, qu'est-ce qu'il a Kyle. Je suis sûr qu'elle, quand il mange un truc bon, il... My burger. Ouais, c'est, ah, c'est Lily qui a fait de la merde, ouais. Oh, c'est bon, je me Ouais, t'es bon, inquiète qui t'en pas, t'es Kyle, t'as bien été tiranceux là. Je sais pas, il y a quelque chose qui s'est cassé en moi, vous voyez. Hein. Genre, c'est d'avoir mis un. Et salut. Salut Elfine, comment ça va? Alors, qu'est-ce qu'on a? Rien, nickel. Ouais, c'est bon, rien, nickel. Allez. Allez, on va passer aux EMS. On va voir ce qui se passe au niveau de l'enquête de police. Hello Kali. Como esta? Putain, plus belle de peine. Hello Kral, bien quoi. Ouais, la routine. La routine aussi, comme hier, tout pareil. Mais c'est un EMS. Hop là. Hop là. Ça. C'est bon. On va lui faire garder son masque. Parce qu'il a le nez bleu. Merde. Je suis vraiment débile. Voilà. Allez. Kyle, prise de service, salut à tous. Hein. C'est Kyle, j'ai pas entendu. Ouais, c'est Kyle. Hein. Salut Kyle,
T'inquiète. Là. Je suis en entretien. Ah, c'est pire. Ok. Moi, je vais vite aller au UU chercher à manger et à boire. Que tu veux que je t'attende, Kyle? Ah non, c'est bon, j'ai assez à manger. Hein. Il y a 10 minutes, il était fermé le café. Putain, j'entends mal. Voilà. Hier, je sais, mais je connais quelqu'un qui travaille là-bas qui m'a dit qu'il vient d'ouvrir. Ça Harley, je pense que c'est mort. Hop là, voilà. Bon, c'est dit là en entretien, il est parti, on est 3. Ça va pas être le plus fun, mais je pense que je vais faire mon. Je vais faire un peu de. Comment dire ? Un peu de paperasse. Alors, CRPPA de Cipsi, voilà. En vrai, ça mériterait de faire un Google Sheet, ce truc. Parce qu'en fait, là, du coup, ce que je fais, c'est que je copie-colle tous les dossiers patients pour cleaner le Discord. Ce serait pas l'occasion de le faire ce soir. Parce que là, c'est un peu chiant. Ça va être très chiant. Ouais, non. Je viens de voir le truc, c'est. Ça va être long. Voilà. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Par contre, c'était un.
HK qui m'avait demandé HK. H, il y a un H. J'ai pas que ça en contact. A, B, C, D, E, F, G. Oh merde. Merde. J'ai pas son nom. Alors ça. Le mec qu'on a vu la dernière fois aux EMS. Au. Dikia. Dikia. Tiens, bah, allez. Salut, hein, ça va? Ouais, ça va et vous? Ouais, ça va, ouais. Oh, que je peux vous aider? Yes. Hein. Je me suis pris plusieurs coups, je me suis cassé la gueule en faisant le con. Ah, ouais, d'accord, ok. Du coup, hein, vous avez besoin d'un petit pansement, j'imagine, non? Bah, j'ai le bras un peu enflé, du coup, parce que je me suis bien cassé la gueule quand même. Vous avez le bras enflé, hein? Ok, suivez-moi. Ouais, bah, vous voyez le bras gauche, ouais, il est un peu. En effet. Vous êtes tout rattrapé sur ce bras-là, quoi. Ouais. Ah, ouais, d'accord. J'ai tenté de grimper un truc et au final, c'est peut-être pas très efficace. Mais voilà. Si on sait pas grimper, on grimpe pas, hein. Ouais, bon, là, c'était plus l'atterrissage qui était un peu osé. Ah, d'accord. Vous arrivez à bouger votre bras et tout, ou pas du tout hein? Oui, ça va. Après, j'avoue que j'évite de porter les trucs lourds, hein, depuis tout à l'heure. Ok, bah. Écoutez, on va regarder ça. Je vous demandais. Bah, tenez, venez ici. Hein. Vous allez mettre la petite blouse hein, qui va bien. Ouais. Et je vais vous faire passer une radio. Et puis, retour au MS. Oui, c'est quel truc? Kai, prend ça le radio. Hein. Bah, les petites blouses. Ça hein. Voilà. Ah, oui, c'est un dégueu. Ça va, hein, pas de jugement. Allez, hein. Allongez-vous. Hein. Vous avez déjà passé des radios hein? Oui, dans ma vie, oui, bien sûr. Si vous voulez vous mettre dessus, faut prendre un peu une vue alternative. Hein, et vous pourrez vous allonger. Hein. En regardant bien la table. Hein. Ouais. Voilà, yes. Nickel. Hein. Ok, du coup, bah, je me mets derrière la vitre. Hein. Si jamais il y a un problème, vous me le dites. Hein. Yes, pas de problème. Et ne bougez pas surtout. Sinon, ça va fausser les yes, hein. Je bouge pas. Okay. Je ne bouge pas. Attends, on a un client là. Allez, on bouge pas encore une fois. Allez, je bouge pas. C'est des bruits bizarres ce truc. Ouais, c'est des bruits de radio, c'est normal là. Putain, il est vraiment con. Oh merde. On entend, hein. Ouais, pardon, hein, j'ai laissé mon doigt appuyé sur le micro, hein. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Ouais. C'est pas cassé. Hein. Ah. Est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît hein?
on va regarder, hein, lever un peu les bras. Ok, alors attendez, hein, je vois un peu. C'est bras gauche, hein. Oui, voilà, ouais, c'est très bien ça. Ouais. Ok. Ouais, en effet, je pense que ça doit être un peu foulé. Hein. Donc c'est pas grand chose. Hein. Je vais juste vous mettre le bras en écharpe. Kyle, t'es en salle radio, c'est ça? Ok. Ouais. Et du coup, vous pourrez pas conduire de moto pendant 20 minutes. Hein. Ouais, c'est ok. Voilà. Donc juste, hein, vous gardez bien votre bras en écharpe. Hein. Une fois que c'est fini, vous le rendez à une pharmacie. Hein. Vous rendez l'écharpe à une pharmacie parce que vous n'avez plus de sang, vous voyez. Et faites pas de folie, hein, vous amusez pas à grimper, quoi. Parce que déjà avec un bras, c'est pas pratique. Hein. Et en plus. Yes, bon, j'ai appris la leçon. Ouais. Je laisserai les autres passer avant moi la prochaine fois, j'ai retenu. Bah là, avec un bras en moins, limite, vous demandez à vous faire porter en sac à dos, quoi. Ouais, mais faut pas que l'autre tombe, faut qu'il soit solide sur les appuis. Hein. Ouais. Bon, je peux m'arriver, hein. Bah, bien sûr. Hein. Oui. Ouais, c'est bon. Hein. Pas plaisir de voir l'effet salaire. Hein. Ah ouais, je vous rassure, ça fait pas non plus plaisir. Allez, c'est parti. Yes. Vous avez l'air d'être un gros dur, pas besoin d'antidouleur. Hein. Bon, c'est bon, j'ai une bouteille de whisky. Ouais, voilà, ouais, je m'en doutais. Hein. Et très bonne journée, prenez soin de vous. Et voilà, et tout pareil que le professeur. Yes, ok, parfait, bah, bonne soirée. Bonne soirée. Hein. Merci bien. Et bonjour. Salut, tu vas bien? À très bientôt, même. Ça peut aller. Hein. S'il paraît, t'as eu des mésaventures hier soir. Ouais, j'ai testé la J'ai vu passer Bio. Ah oui, aussi. Hein. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'aventures. Ah bon, c'était quoi l'autre? J'ai testé l'agressivité d'une patiente pendant un PPA. Ah oui. Elle était agressive. Hein. Ah merde. On s'est pris une patate. Hein. Ah oui, d'accord. C'était qui? Bah, je sais pas si on l'avait croisé. Je me demande si on l'avait pas croisé ensemble. Hein. L'autre redneck de cowboy. Celle-là qui aime les animaux avec ses potes et son chapeau moche. Hein. Bah si, la gamine Caraba au bob sur la langue. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et d'accord, oui. Et voilà. Mais bon, du coup, on va essayer de finir ce PP1 et je vais faire passer un stage de sensibilisation de la colère, quoi. Et d'accord. Mais ça marche. Et pourquoi, du coup, tu gardes ton masque? Parce que mon nez est un peu plus... Et tu t'es bouché, il est rouge. Quoi? Cette question. Je préfère faire genre ouais, je suis un peu malade, mais en fait, ouais, il est un peu déformé. Et d'accord. Damien a dû me replacer un peu le nez. Damien a dû te replacer? Me replacer le nez. Et d'accord, c'était bien. Pas du tout. En plus, hein, même pas d'antidouleur, hein. Que dalle. Hein. Rien, à la rage dans un couloir. Hein. Pire qu'un chien. Ah, mais l'autre, il est replacé là, c'est bon. Oui, là, il est replacé. Hein. Est-ce que ça te fait hardé de boxeur? Pas du tout. Non, ça va. Après, hein, il avait déjà été refait déjà en opération l'autre fois, donc il était déjà pas mal préparé. Quoi. Il était pas mal escarté, c'est ça? Non, elle avait été réparée parfaitement par les stagiaires qui sont maintenant infirmiers. Hein. Je pense même que c'est ça qui leur a donné la promotion. Ah bon? Bah, je pense. Il méritait en tout cas. Ah bah, sûrement. Dans des couilles de la main, c'était parfait. Et ouais, il y a eu Myosotis aussi. Hein, bah, elle, quand on l'opère, c'est chelou. Hein. Je pense qu'il faut entourer la salle d'opération de celle-là et appeler un prêtre et mettre des croix un peu partout dans la salle d'opé. Hein. Ouais, je suis pas très dans la superstition, oui. Moi non plus, hein, mais je préférais la badigeonne. Il n'y a pas eu trop de vapeur de morphine ou je sais pas. C'est compliqué. Et ouais, c'est sûr. Hop là, bah écoutez, prenez soin de vous. Hein. Ah, merci, vous aussi. Et bon courage, surtout. Plaisir.
Bon, du coup, j'ai reçu le premier candidat qui est pas trop trop mal. C'est qui, hein? Mais qui met des pantalons de mec qui travaille au Unicorn. Oui, bah ça, après, il fait ce qu'il veut de son passe-temps. Ah, parce qu'on peut juger, l'habillement. Bon, c'est bah, quand c'est un pasteur qui est censé être un pasteur qui représente quelque chose de plutôt... Voilà, quoi. Et que tu mets un pantalon de Go-Go Dancer du Unicorn, ça porte à confusion, quand même. Et là, il l'avait encore, j'ai pas remarqué. Ah oui, il l'avait encore, oui. D'accord, je m'ai pas fait... Pourtant, je regarde pas trop les habits des gens. On tamponne un peu le coquillard. Donc voilà, non mais il a l'air pas trop mal. Oui, maintenant. Vraiment sympa, oui. Donc voilà, j'attends de voir les autres. Parce que t'en as encore combien encore des candidats? Pour l'instant, Enfin, pour l'instant, j'ai deux candidats, quoi. Lui et un autre. Donc ça va. Ça sera pas trop compliqué de choisir pour l'instant. Au moins, on peut les faire se bagarrer, hein. Non. Bah, je sais pas, pour savoir, pour choisir, c'est qui, hein, qu'on gagne, qu'on garde, hein. Genre, je sais pas. Ce qui serait vrai, ce serait quoi, pour des... une gatling sur notre ambulance. Ah ouais, non, ça serait fou, hein. Et puis là, on les ferait danser. Exactement. On fait celui qui danse le mieux. Oh my god. Celui qui se prend une balle, il a perdu. Ah oui, on en est là. Moi, j'étais plus dans genre des compétitions d'agrafeuses ou des trucs comme ça, quoi, mais ok. Ah oui, d'accord. De toute façon, on n'a pas ça, oui. Ah ouais, d'accord. Bah non, tu vois bien que souvent, genre, s'il n'y a pas une mitrailleuse. Malheureusement. Ça se trouve, hein. Ils vont peut-être quand même éviter. Les gens risquent d'être un peu effrayés s'ils voient une ambulance comme ça arriver. Est-ce que ça serait pas bien pour notre sécurité, hein? Je pense que oui. Après, ça, peut-être qu'on aurait plus de vols de véhicules. C'est possible, mais au moins quand on rentre dans un quartier de gang, il y aura pas à dire est-ce qu'on peut rentrer s'il vous plaît, hein? Eh oui, bah oui, là c'est sûr, oui. Là c'est on rentre, motherfucker. Après, c'est très bien aussi de. Et bah bon. Après, vous m'excuserez, mais quand je suis en urgence et que j'ai les sirènes, je demande pas pour rentrer dans un quartier. Moi non plus, hein. S'il y a une balise en plein milieu, j'en ai rien à foutre. Ah oui, j'ai rien à foutre, hein. Que ce soit chez des blancs, chez les verts, chez des jeux bleu, blanc, rouge, jaune, vert, trou du cul, bleu, ciel, j'en ai rien à foutre. On est d'accord. Et s'il nous emmerde et qu'on veut pas rentrer, et ben, qu'il nous laisse pas rentrer, ben, on repart. Et puis leur mec qui reste tout seul, au sol, à terre, oui. Et s'ils nous font vraiment, vraiment, vraiment chier, et ben dès qu'il y a une balise, et ben tant pis pour eux, on va plus chez eux. Et après, en général, ils nous laissent rentrer. Bizarrement. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Comment ça fait? Bon, du coup, il est ouvert, le café. T'as pu y aller? Oui, mais faudrait y aller vite si vous voulez y aller. Eh ben, toi, vas-y. Moi, j'en ai pas besoin. Hein. C'est... Ah non, moi je viens d'y aller, c'est bon. Tout pareil, zéro besoin. Zéro tracas. Ouais, exactement. C'est que la troisième fois que j'y vais aujourd'hui. T'as des méga dalles, hein? Bah, je suis là depuis 13h30, donc... Oui, et puis il va là-bas pour récupérer à manger, il va là-bas pour récupérer des mecs qui se sont fait tirer dessus. Oui, aussi... Ah ouais, d'accord. Il passe sa vie là-bas. On va peut-être ouvrir une succursale là en ce moment au café. Vu le nombre de gens qui se font tirer dessus là-bas. Ce serait pas mal, on pourrait avoir des salades, hein, et des smoothies à la sortie des salles d'opération, ce serait génial. Hein. Est-ce qu'on n'a pas là qui... Il faudrait voir avec Gustave. À part Monsieur Mason, je ne sais pas qui travaille au taxi. Moi. C'est vrai que j'avais un... Faut faire 555 taxi en majuscule. Hein. C'est vrai que j'avais comme projet d'avoir Gustave en majordome. Faudrait que j'en lance. Merci de m'y repenser. Allez, pas de problème, j'aurai toujours là pour servir. Exactement.
sais, ces moments où, genre, tu sais que t'as plein de rendez-vous, hein, mais tu sais pas par où commencer. Hein. Soit tu prends par le plus ancien, soit tu prends par ordre alphabétique. J'ai vraiment la flemme de faire un PP1. Hein. Si donc t'attends, ils vont pas tarder à arriver, là, les autres loulous, là. Mais ouais, mais ouais. L'équipe qui fait le 21h de heure, là. De oui. Oui, eux, là, ils vont pas tarder à arriver. Là, j'ai vu Jesse Madden tout à l'heure, oui. Tu te souviens de lui ou pas, Kyle? C'est qui ça? Le mec qui est parti des EABS pour aller avec le baron Von Bitten. J'étais peut-être pas encore là, moi. Si, je crois que t'étais stagiaire, je crois que t'es arrivé... Alors, soit t'es arrivé juste après ou juste avant qu'il parte. Ouais, peut-être. C'est dans l'autre. Ah, parce que là, aucun souvenir. Hein. Genre, vraiment, t'existes pas, no way, quoi. Bon, peut-être que si tu le croises, tu le remettras. Ou pas du tout. Je pense pas, j'ai assez vite tendance à oublier les gens qui m'intéressent pas, en fait. Et normal. Bah ouais. Mémoire sélective, hein. Je peux pas tout stocker, hein. Et du coup, je suis heureux que tu te souviennes de moi. Et c'est parce que c'est moi qui te paye. Exactement. Et peut-être aussi parce que t'es un... Bah, t'es un peu un objectif à atteindre, tu vois. Ou t'es peut-être à ma place, quoi. Enfin bref, il y a un truc comme ça. Et je peux comprendre. Tu veux atteindre ma taille de mannequin. Non, ouais. Jamais de la vie. Hein. Déjà. Ah, ça s'atteint facilement. Avec un peu de volonté. Ouais, maintenant, c'est bon. Hein. J'ai pas prévu de grossir. Hein. J'ai pas prévu d'avoir de cheveux blancs. J'ai pas prévu d'avoir de calve. Hein. C'est no way. Hein. Oh, t'inquiète pas. Pour les cheveux, ça arrivera très très vite. No way. La verture, c'est bon. Je suis un nickel. Hein. J'ai une génétique en béton. Hein. La verture, il a des cheveux blancs. C'est juste qu'il est blond, donc ça se voit pas beaucoup, mais il en a. Oh merde. Après, désolé, hein, je regarde pas si proche Arthur, quoi. Ouais, c'est ton père, quand même. Tu pourras le regarder un peu plus. Ouais, non. Ah, ne serait-ce que pour connaître ce que l'avenir te réserve, oui. Putain. Ah, par exemple, les rides au coin des yeux, oui. Non, mais ça, moi, après, je fais attention à ça. Je mets toujours des petits concombres. Avant de dormir. Et en plus, je fais attention de comment je dors sur l'oreiller. Je dors vraiment bien sur le dos, comme ça j'ai pas de rides. Hein. Et tu les changes les concombres de ton dos ou tu mets toujours les mêmes? Bah non, mais je change tous les jours. Et d'accord, sinon oui, ils vont finir par violer quoi, tes concombres. Bah non, mais je me tartine pas de moisi de concombre tous les jours, hein. Ça serait bizarre. Et d'accord, hein. Oui. En plus, ça jute un peu les concombres quand ça moisit. Hein. Aucune idée, je ne mange pas de concombres moisis. Ouais. Alors non, un concombre moisi ne jute plus, étant donné que quand c'est moisi, c'est que c'est sec en général. Ah bon? Bah ça t'as déjà goûté? Bah non, mais j'ai beaucoup travaillé dans l'alimentaire et dans la restauration, donc je... Ah bon? Du coup, t'es expert en concombre, hein? Alors, pas spécialement en concombre, mais... Cépi, ceinture noire concombre. Après, il est vrai que mon frangin se mettait des concombres dans le cul, mais ça faut pas le dire. Lequel? Oh, ouais. Bah, Laurent, c'est parce que l'autre, c'est pas mon frangin, c'est mon cousin. Ah oui, c'est ton cousin, oui, c'est vrai. Ah ouais, Laurent se mettait des concombres dans le cul, ok. Ça sera totalement répété, déformé. On peut le mettre sur son dossier personnel ou pas? Non. Ah d'accord. Mais t'as le droit de le garder en mémoire. Ah ouais, ok, c'est cool. Après, ouais, il y en a qui aiment bien mettre des concombres, il y en a qui aiment bien mettre des salopettes. Je suis mieux là. Bah oh, vas-y. Ah oui, t'es là-bas. Oui. Bah ouais. Eh, nickel. Je parle pas rageux. Oh bah adieu. Oh, salut Gavin. Je prends bien quand même. Tu vas bien Gavin, tu veux bien faire passer un pépé à Outo s'il te plaît? Ah bah ça joue.
Merde. Putain. Ah, il est talentueux. Ah, mais c'est clair. Manque plus que l'odeur raclette et on est bon. Hein. Ah, pas bah, je mange des hamburgers supplément raclette. Ouais, mais. Ah, ouais, ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. J'ai fait croire à Hans aujourd'hui qu'il est parti au... Je sais plus où il est parti et j'ai pris la radio et j'ai... C'est vrai qu'il est parti au café, se ravitailler. Yeah, il est parti au café, j'ai pris la radio, j'ai fait « Oh bah Dieu l'équipe, ça joue !» Après il a dit « Oh bah... » Il a cru que c'était Gavin. Ah ouais. Et... Allez, c'est très réussi. Il est là lui d'ailleurs hein. Non. D'accord, super. Il est parti manger tout à l'heure, il va pas tarder à revenir. Voilà, ouais, je pense qu'il mange un sanglier. Ouais, je pense qu'il reviendra pas avant de partir à son cours de yoga. Possible. D'ailleurs, comme vous êtes tous les deux là, je vais ranger vos ambulances. Ça sent le départ, ça. C'est quoi ta spé, toi, d'ailleurs hein? Pour l'instant, j'en ai pas choisi, mais j'attends de voir Damien. Je vais prendre la dictologie. Ah, bah. Oh, bah, adieu, l'équipe, ça joue. Oh merde. Putain, salut Damien. Oh merde, adieu, oh, ça joue. Oh non. Salut Gavin, pardon, je suis perdu. Hein. Je suis mélangé. Hein. Oh, bah, ouais, pas de soucis. Bon, je vais prendre mon début de service, hein, adieu. Hop là. Oh, bah, adieu. Adieu l'équipe, Gavin, plus de servir. Oh merde. Vas-y, hein, dis-lui salut avec en langage Gavin. Oh bah adieu, Gavin. Ah putain, du coup, je sais pas si c'est le vrai ou pas. Ah bah adieu, non, c'est pas le vrai. Le vrai. Oh merde. J'avoue que c'est quand même un petit peu d'entraînement. Allez, si putain, c'était vrai. Oh, ouais! Ouais. Allez, j'ai bien fait de ranger mon ambulance. Oh merde, il a pris. Salaud. Allez, Gavin. Bonjour Gavin. Adieu, Teddy. Oui. Allez, comment vas-tu? Bien et toi? Ah, mais ça va bien. Nickel. Je vais te proposer, on prend Kim en PPA. Bon, peu, oui, tout à fait. C'est tout. Nickel. Attends, c'était pas que le fait que tu voulais pas être là. Bah, je voulais pas le faire, mais sinon, elle va jamais le faire parce que le temps. Y a personne d'autre en psy qui est formé. Hein. Et du coup, c'est toi qui dirigeras et moi, je serai là en extérieur, en observateur. Hein. Ouais, pas de soucis. Toi, t'es son psy en plus, hein, donc c'est nickel. Hein. Ouais, tout à fait, mais on peut y aller, ouais. Bah, vas-y, je te laisse appeler ou j'appelle hein. Je l'appelle à tout. Déjà, elle est là. Ouais, elle est là. Ok, bah c'est parfait alors. Attends, par contre, je suis grave content qu'Adriana ait rejoint le pôle psy. T'as beau. Allez, je l'ai prise sur en PPA. Bon, ça, j'ai fait son PPA. Et, mais je l'ai prise en intervention. Enfin, pour un patient, pour un peu lui faire un peu un stage du pôle psy, quoi, pour qu'elle découvre. Salut. Et elle avait vachement des bonnes réponses et des bons trucs. Adieu, comment ça joue? Genre, elle allait dire les choses que j'allais dire. Ah ben super. Donc c'est génial. Et même de manière générale, elle était assez... Oui, elle est pas mal. Voilà, ça, j'en sens. Elle, je pense qu'elle va être autonome très rapidement, quoi. Bah, adieu. Elle arrive. Ok, nickel. J'ai fait passer en prix, ouais, ça fait un petit moment qu'on la fait pas parce qu'on voulait. Parce que je voulais que ce soit deux autres personnes, mais j'arrive pas à former personne et en plus, bah, faut qu'on soit deux, hein, donc c'est nickel. Oui, et puis après, de toute façon, partir du principe que, en qualité de responsable du pôle, tu es censé pouvoir être totalement impartial. Non, mais je suis impartial, hein, mais c'est juste quand je peux éviter, je préfère, mais de base, je pensais que. Que mes stagiaires allaient arriver plus rapidement.
ce compte en banque monte beaucoup trop doucement, oui. C'est vrai, faudrait peut-être qu'on ait une augmentation, nous, hein, parce qu'on n'arrête pas de travailler hein, comme des fous. Hein. Peut-être oui, pas mal, ouais. Peut-être non, mais... que je vais juste monter le salaire du directeur, peut-être le faire passer à 1500. Peut-être celui d'épaule aussi. Hein. Et peut-être un peu descendre celui des internes pour les coupes budgétaires. Ah, c'est pire, tout vrai, mais ça avec impatience. Il faut compenser. Non, bah ouais. Surtout les stagiaires, parce que ouais, bon. Bah... Ouais, c'est vrai, les stagiaires, on peut pas genre ne pas leur donner de salaire. Hein. Les stagiaires, ouais. Ouais, c'est clair. Hein. Oui, c'est possible. Leur proposer, de toute façon, ils sont payés combien au Pôle emploi ? $75 ? Allez, soyons grands seigneurs, on dit $175. Allez, hein. Allez, 150 comme ça, ça fait un contre 1. Ah, nickel. Voilà. Et c'est important, sinon ça fait des virgules. Et si jamais ils sont pas contents, on dit non, mais vous avez pas compris ce qu'on veut faire. Et ça sera nickel. Et tout à fait, on dit que c'est pour les tester. Exactement, pour voir s'ils sont vraiment motivés. Et tout à fait, oui. En plus de la barrière de la. De l'ambulance sur la barrière du salaire. C'est fabuleux. Ouais, mais après, il risque d'être trop choqué s'il passe direct infirmier à 639, là. Du coup, faut peut-être mettre infirmier à 200, alors. Ben, je pense, oui. Ouais. Et comme ça, on met interne à 300. Et comme ça, ben, nous, on peut passer à 1000 et 1500 sans trop de problèmes. Oui, ça devrait être pas mal. Peut-être même 1200, 1500, tiens, je pense, hein, vu toutes les économies qu'on aura fait. Hein. Après, il faut payer la secrétaire. Eh, hey, bonjour, mademoiselle. Oui. La mère de mes futurs enfants, oui. Oui, je viens pour l'entretien d'embauche pour le boulot de secrétaire. Eh bien, pas de problème. Non, c'est faux. Allez, oui, non, je viens que pour Gavin, pour une fois. Parce qu'il est beau et ils sont bons. Ah, bah merci. Ça, c'est... Oui. Ok, oui. C'est la raclette. Hein. Oui, on est parti alors. Allez. Et puis, tout est dit. Allez, c'est du cul, je prends la salle IRM. Bien après vous. Bah, du coup, il y aura Kyle avec nous. Exactement. Oh oui, Kyle le plus beau. Exactement. Bah, il fallait bien que j'arrive pour éliminer la pièce. Hein. Ouais, hein. Trop raison. Il est terme. Ouais, ils étaient pas allés, hein. Je vous rejoins. Ah ouais, t'es un peu lourd, non? T'as peut-être un peu trop mangé. Hein. Ça vaut le coup d'avoir des chaussures de marche pour marcher si lentement. Grave, hein. Allez, hein, un peu de nerf. Hein. On n'est pas pressé. Aïe. Oh, pardon, je t'ai lâché la porte sur toi. Pas de soucis. J'ai rattrapé avec le paume de la main, mais bon. Oui, mais. Oh, désolé. Les bibous. Ah, oh, putain, il me tue. Bonsoir. Adieu. Bah, tu veux. Sport où tu veux. Ah oui, bah comme d'hab, c'est ma chaise. Ah oui, ouais. Adieu. Adieu. Du coup, je prends les notes mais... et je te laisse diriger l'entretien, Gavin. Ouais, pas de soucis, alors du coup. Vous m'avez pas vu, j'étais en robe de. Comment on appelle ça? Mitten Gala. Ouais, exactement. My god, toi en robe. Ouais, j'étais en robe, ouais. Attends, j'ai pourquoi ça. Bah, je sais pas, j'avais envie. Faut que je vous dise, mais faut pas le répéter. Hein. Bah non, de toute façon, c'est ce qu'il va dire à partir de maintenant. Ça reste bien évidemment dans le cadre du pôle psy, donc pas de soucis. Ouais, hein. J'avais envie de me faire jolie, tu vois, un peu. Parce que j'étais avec un monsieur hier soir. Ah ouais? Ça va de ouais, Dieu. Pour Zoé, hein. Non, justement, merde. C'est pour ça qu'il faut pas le dire, oui. C'était qui, hein? Madame. Non, mais on est entre nous, là, c'est bon. Le mec de chez les HEC, lui. C'est qui, hein? C'est qui? Ouais, je sais pas. Le mec des Nameless, lui. C'est Gabi Gizard chez vous, oui. Il s'appelle comment? Yohan? Je connais pas. C'est pas grave. C'est quoi? Pas grave. Les Nameless sont comment? Ils sont costards, non? Ouais, ils sont costards. Ouais, costards tout noir, non, il me semble. Exactement. Ah ouais, ils avaient failli me fumer une fois. Enfin, ils ont... Ouais, j'ai pas commencé à se moquer de mes chaussures. J'ai fait, bah ça va, moi je suis pas un costard sans personnalité. Hein. Ils ont pas aimé. Hein. Oh, ah oui. Hein. Mais en même temps, ces chaussures sont trop belles. Hein. Bah, c'était jaloux. Hein. Peut-être. Sûrement même.
Bon, tu revenais au PPA. Hein? On va peut-être revenir au PPA. Oui, pardon, oui. Oui, pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. Non, c'est parce que j'aime bien, donc je parle un peu de toi avec vous, quoi. Ouais, mais t'es pas, c'est pas grave. Oui. Allez. Alors, on est bien d'accord, t'es une demande dans le cadre purement privé et civil, hein. C'est pas dans le cadre d'un recrutement, l'SPD. Non, enfin pas pour l'instant en tout cas. Ok, d'accord. En fait, c'est juste que comme c'est dans un cadre civil et privé, je vais devoir te facturer malheureusement le test. C'est 5 000 $. Vas-y. Alors attention, Kai, tu vas devoir payer. À jamais. Moi, je paye tout pour vous, oui. C'est pour ça que Damien, je l'ai payé 70 000, mais les autres pas. 50 000. Merci. Ah, pas tout... Vous avez passé votre heure ou pas du tout? Bah oui, on a passé, mais ah, en fait, oui, mais il manque juste l'heure avec l'autre là, comment il s'appelle hein. J'ai oublié son nom, il est pas important. Ok, pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. Ouais, hein. Pour info, quand on l'a récupéré tout à l'heure, tout allait bien. Hop, je coupe juste la radio, qu'elle s'est jamais toxique. Je vais juste donner des antifongiques pour éviter qu'elle ait des champignons dans les poux. Oh, top, top, top. Qu'est-ce que je vais te dire? Ah oui, bien évidemment, dans tous ces petits tests psychologiques, comme tu peux t'en douter, il va falloir que tu répondes le plus sincèrement possible. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, d'accord? Oui, ok. Tu réponds dès que le premier truc qui te vient à l'esprit, puis de manière vraie, quoi. Oui. T'es pas fait. Le test va se passer en trois parties. La première partie, c'est juste quelques petites informations médicales, ça c'est rapide, tu vas voir. Après, on va partir sur une petite évaluation psychologique, quelques petites questions. Et puis on va terminer sur trois petites mises en situation. D'accord. D'accord, c'est au bon, t'as des petites questions jusqu'à là? Non, let's go. Oh, d'accord, alors t'es parti pour la première des questions, de la première partie. Oui. Donc, du coup, des petites informations médicales, est-ce qu'il y a des antécédents connus de maladies dans la famille? Dans la famille, non, mais moi j'ai des problèmes de type cardiaque, oui. Donc, la question est, est-ce que vous êtes suivi pour une pathologie? T'es suivi pour ça? Pas ici, oui, en Corée, oui, mais petit. Ok, d'accord. Mais comment ça se fait que t'es pas suivi ici? Parce que j'ai eu la flemme de transférer mon dossier, oui. Et si je fais transférer mon dossier, après, ils font payer les frais de traduction, les trucs comme ça et tout, c'est chiant. Pas d'argent. Mais même des problèmes cardiaques, c'est quand même grave, non? Non, ça va, tranquille. Est-ce que tu connais un peu ce que tu as exactement? Qu'est-ce que c'est? Attends, je crois que c'est noté, il faut que je le retrouve. Je l'ai noté dans mes notes. Non. Je sais pas, je sais plus. Je te dirai quand je retrouverai mon dossier, mais... Qu'est-ce que c'est exactement? Ok, d'accord, bon, tu te tiens en compte. Oui, bon, je te redirai, oui. Parce que pas de soucis. C'est pas mon dossier devant moi, oui. Est-ce que t'as des problèmes de vue ou bien d'audition? Non. D'accord. Est-ce que. Oh non, mais tu connais la réponse à la prochaine question. Moi, je vais quand même te la poser, hein. Oui. Est-ce que t'as déjà consulté un psychologue? Non, oui. Oui. Oh, oui. En dehors du cadre de ton traitement, enfin ton suivi actuel, t'en as déjà rencontré d'autres ou c'était la première non. fois? Non, c'était la première fois, oui. Première fois que je voyais un psy, c'est ça? Ouais, tout à fait. Oui, c'est la première fois, oui. Ok, d'accord. Oh, tu vois, on a déjà terminé la première partie, hein. Comme je te l'ai dit, elle est très très rapide. Ah oui, ça va vite, oui. Ah oui, parce que maintenant on va attaquer le plat principal, hein. Ça c'est un sacré morceau par contre. Oh merde. Oui, avec la première des questions qui, pour moi, une des plus importantes, hein, c'est bien évidemment la raison du pourquoi tu veux passer le PPA. Et ben après tout ce qui s'est passé là, et prise d'otage, trucs comme ça, j'aimerais bien avoir une arme, même si je n'utilise pas, hein, mais une arme pour me sentir en sécurité, pour me défendre s'il se passe des choses, oui. Genre, si on m'attaque, que je puisse me défendre. Voilà. Est-ce que tu penses que par exemple tout ce qui s'est passé hein, malheureusement en ville vis-à-vis du life ou autre, ça aurait pu être évité si t'avais une arme sur toi ou bien... Ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend par exemple si des personnes venaient, venaient à plusieurs ou seules, tu vois. Si elles étaient seules, j'aurais pu les menacer avec une arme en disant « Bah écoute, maintenant tu peux partir STP ».
Ou par exemple, si avait été dit qu'il nous a kidnappé, ben on était deux sans PPA. Peut-être que si j'avais eu un PPA, peut-être que j'aurais pu le menacer avec une arme ou quelque chose en disant, sans tirer, hein, mais en disant, bah, c'est pas toi qui commande, je pars. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, pas tout, c'est d'accord. Bon, bien. Bon, ouais, passer à une petite question suivante. Est-ce que tu pourras m'expliquer, bon, avec tes mots, bien évidemment, hein, le principe et le fonctionnement de la légitime défense? La légitime défense, c'est quand il y a quelqu'un qui vient et bah, qui est menaçant ou qui te menace. Légitime défense. Oui, c'est quand quelqu'un vient avec une arme bah, pour te menacer en disant je te menace. Et moi, je sors une arme derrière en disant tu vois, je te menace aussi. Et tu vois, s'il commence à être très très menaçant et à tirer un peu partout en mode. Pas sur moi, mais s'il commence un peu à tirer partout, moi je pourrais lui tirer par exemple dans le pied ou dans. Pas quelque chose de vital en disant voilà, je me suis défendu parce que tu avais l'air quand même très menaçant, tu vois. Ou alors s'il me frappe avec une arme de type. Qui fait mal, mais pas trop, tu vois. Je prendrais une arme et je le frapperais aussi. Enfin, des trucs comme ça, tu vois. C'est dit avec tes mots. Hein, Oui. Alors, comme tu l'as dit, c'est une réponse hein, à une attaque que tu subis. Ça peut être aussi une réponse à une attaque qu'un tiers subit. C'est-à-dire que si t'es en présence d'une agression, t'as totalement le droit de répondre. En tout cas, t'as même le devoir hein, d'intervenir et de plaider la légitime défense. Il faut que ce soit une réponse immédiate, comme tu l'as sous-entendu dans le fait que tu réponds à une action de quelqu'un qui vient t'agresser. Mm-hmm. Proportionnée, comme tu l'as dit. Hein. Et puis voilà, mais il faut juste... Alors, petite nuance, faut pas que tu sois la personne qui engendre l'agression, tu vois. Faut pas que tu sois le premier à envoyer le coup, puis lui, il envoie plus fort, puis après tu dis oui, mais... Moi j'ai envoyé fort parce qu'après légitime défense, tu vois, ça vaut plus. Oui, non, c'est une agression, ça, je reconnais. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est puni, hein. Ah oui, oui. D'accord. Oui, c'est marqué dans le code pénal, je crois, agression, tout ça. J'espère. Oh, bah d'accord, 10 000 $ sur un médecin. Ouais, minimum, hein. Ouais. Pas tout à fait. Ça, c'était les questions un peu théoriques, hein. C'est très bien. Maintenant, on va voir, parler un peu de toi. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment s'est déroulé ton enfance, ta venue sur l'île, tout ça? Mon enfance, c'était plutôt normal, j'ai envie de dire. C'était, comment on appelle ça, je dirais pas heureuse parce qu'on était un peu pauvres, tu vois, mais suffisante. J'avais mes frères, j'avais mes soeurs, j'avais mes parents, j'avais ma famille, quoi, mes oncles, tantes et tout. On se voyait, on rigolait, enfin, normal. Scolarité normale aussi. J'ai pas été une bonne ou une mauvaise élève. Quand je suis allée en fac, par exemple, j'ai fait une fac de médecine, j'ai loupé parce que je suis nulle. Et j'ai fait une fac de journalisme, j'ai loupé parce que je suis nulle aussi. Non, mais faut pas dire que t'es nulle, mais non. Si, quand même. Et puis après, je suis venue sur l'île. Ça s'est bien passé, hein, globalement, je suis arrivée. J'ai fait un peu de, comment on appelle ça, de taxi, de choses dans le genre, des petits boulots, c'était sympa. Puis je suis allée au Life et la suite on la connaît, hein, journaliste de grand renom, j'ai envie de dire. En tout cas c'est en bonne voie, ça c'est sûr. Oui. Tu m'as pas expliqué pourquoi donc tu vivais en Corée, c'est ça? Oui. La raison de ta venue aux États-Unis, il y avait une raison particulière ou bien... Moi, je crois dur comme fer au rêve américain. J'étais déjà venue aux États-Unis il y a un an. Hein. J'étais aux États-Unis il y a un an. Et puis, quand je suis revenue en Corée, ça me manquait un peu. Puis, ma famille, elle mettait un peu la pression pour que je retrouve la mémoire, des trucs comme ça. Du coup, j'en ai eu marre. Du coup, j'ai pris l'avion. J'ai dit, écoutez, je ne sais pas que je vous aime pas, mais vous me mettez la pression, donc je pars aux États-Unis. Parce que je crois en rêve américain et je trouve que les États-Unis, c'est une belle vie. Enfin, c'est un beau pays, pardon. Et puis j'ai choisi Los Angeles parce que
J'ai vu des brochures, ça m'avait l'air cosy, convivial, beau. Enfin, voilà quoi. Ouais, peut-être quoi. Donc toi-même, tu as mentionné malheureusement que tu étais venu il y a un an, mais que malheureusement il y a une perte de mémoire, c'est ça? Oui. C'est un an qui s'est passé. Oui. Est-ce que. Comment tu te sens maintenant où s'en est à peu près? Tu as retrouvé la mémoire totalement, partiellement? Ça fait un mois que j'ai pas retrouvé de souvenirs, donc c'est un peu compliqué. Mais maintenant, je me prends plus la tête, je laisse couler. Je me dis, ça arrive, si ça arrive pas, ça arrive pas, mais je vais pas rester bloqué dessus, oui. Ouais, d'accord. Est-ce que tu as été exposé à des situations traumatisantes depuis que tu es ici sur l'île, ou bien même dans ton enfance, ou dans les souvenirs que tu vois dans malheureusement ton année oubliée? Non, dur, oui. Bah, les prises d'otages, par exemple, ici. Quand j'étais aux États-Unis il y a un an, j'ai des souvenirs comme quoi je me faisais tirer dessus et que. C'est pas très convivial, quoi. Enfin, il y a d'autres souvenirs qui sont meilleurs. Dans mon enfance, non, j'en ai pas. J'en ai pas. Sinon, à part les prises d'otages ici, globalement, ça va. C'est pas traumatisant, je dirais que ça fait mal parce que c'est dur. Parce que c'est pas joyeux de se faire prendre un otage, mais. De se faire planter un coup de couteau ou de se faire tuer, mais ça va. Ok, d'accord. Juste avant qu'on fait tout cela, tu as mentionné que tu as fait un rendez-vous avec une personne qui est affiliée à un gang connu dans la ville. Mm-hmm. Cette affiliation, c'était aussi par rapport à tes souvenirs. Oui. Est-ce qu'il y a une pression peut-être d'une certaine personne, son nommé, qui te demande de passer le PPA ou... Non. C'est vraiment une envie personnelle. Oui. Oui, d'accord. Oui, tu nous le dirais, hein. Oui, je vous le dirai, oui. Vous pouvez être obligé de te poser la question comme... Oui, bien sûr. Non. C'est mes affaires de civil si un jour on me force, par exemple, parce que j'ai mon PPA à vendre des armes, bonjour la police, oui. Même si c'est des gens que j'apprécie, oui. Ok, d'accord. Oui. Juste pour être sûr, une petite dernière question vis-à-vis Vas-y. De ça. Oui. Tu sais que dans ton année que malheureusement que t'as oublié, y a pas mal de souvenirs qui te sont remontés où tu faisais des actions malheureusement, on va dire répréhensibles. Hein. Oui. Comment tu te positionnes vis-à-vis de ça? Est-ce que tu des choses qui te donnent envie? C'est des choses qui te repoussent? Ça me repousse beaucoup parce qu'aujourd'hui je suis plus la même personne. En fait, je me demande, globalement, je me demande comment j'ai pu faire tout ce genre de choses. Et puis comme on me l'a répété souvent, que ce soit toi ou que ce soit Zoé ou que ce soit même Kyle une fois, c'est des souvenirs, c'est ton passé, il faut que tu enfouisses ton passé. Et malheureusement, ça s'est passé, j'en suis pas heureuse et je le crie partout parce que ça sert à rien. Mais je peux pas effacer tout ça même si je m'en souviens pas. Mais j'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs, oui. J'ai envie d'être quelqu'un de droit. Ouais, tout à fait. Oui. Bah, c'est très très bien, tu me rassures. Hein. Oui. Bon, c'est bon. Bon, super. Bon, voilà, totalement rassuré, ça va mieux. Bon. Bon, on va passer à la question suivante du coup. Allez. Ouais, est-ce que tu peux me citer trois de tes qualités? Je suis belle. Je suis gentille et j'ai le sens de la mode, oui. D'accord. Sans valider. Oh, bon. Sur quel point qu'il est trois? Allez, tout ça. Oh, bon. Parce que c'est pas tant mieux. Oui. Maintenant, toi, tes défauts? J'ai beaucoup de sel. Beaucoup de sel, je pars souvent pas au quart de tour, mais je suis facilement énervable, mais ça va, je suis facilement calmable aussi. Et
J'aime pas qu'on. Enfin, je suis un peu jalouse parce que des fois, Zoé va voir des gens, mais je veux pas qu'il aille voir d'autres gens. Enfin, vous comprenez, des fois, c'est dur. Attends, tu vas bien voir d'autres gens, toi. Oui, bah oui, mais c'est pas ce que je te dis, mais moi, je suis. Enfin, bref. C'est pas mon procès, hein. Non, non, mais. Ouais, ok. Donc, si je te dis que j'ai traîné avec Zoé sans toi, ça te dérange pas, quoi. Bah, moi, je préfère qu'on fasse des trucs à trois plutôt que vous fassiez des trucs à deux, quoi. Après, je suis jalouse, mais aussi avec mes amis, quoi. Enfin, je partage pas trop mes amis, quoi. Enfin, t'es mon ami, t'es pas celui des autres. Une certaine besoin de possession, quoi. Bah, non, pas forcément, mais bon. Ça m'énerverait, par exemple, de voir un ami bah, qui traîne avec quelqu'un que j'aime pas, quoi. Bah, sur un point, bah, tu fais ce que tu veux, mais bon, bah, j'espère que tu me préfères quand même. Parce que moi, je préfère les gens. Ok, d'accord. Bah oui, d'accord. Oui. Est-ce que parmi tous les défauts que tu nous as déjà dit, est-ce que t'as déjà été mis en situation compliquée ou bien on pris par défaut par rapport à un de tes défauts? Non. Ils ont des situations, tu t'y penses, quoi tout ça dans la vie, à cause d'un de tes défauts? Non, ça va parce que je me calme assez facilement, donc ça va. Ok, ça d'accord. Ça va, ça va. Oh, bah, oui. Oui. D'accord. Moi, bon, j'ai passé la question suivante. Hein. Est-ce que tu t'es déjà battu? Oui, au Fight Club. Ouais, dans un cadre sportif. Oui. D'accord. Dans le cadre purement privé, est-ce que tu t'es déjà battu? Non. Alors, c'est accessible. Enfin, bah, à part deux, trois fois où je glisse, non, je me suis jamais battu. Non, je me suis jamais battu, oui. Oh, pas de coup, pas de coup. Lui. Oh, t'es très bien pour pas se battre. Hein. Lui, bah non. T'as pas un souvenir où t'as tenté de mettre une patate à une certaine Athénaïs? Et toi, t'as pas de souvenir ou hein? Bon. Non, mais c'est pour ça, c'est ça compte aussi, tu vois. Ah, mais oui, bah c'est ce que j'ai dit. À part quelques fois où je glisse, lui. Ouais, glisser, ouais. Bah, ça s'appelle glisser, hein, je suis allé, hein. Regarde, okay, là je me lève par exemple. Ouais. Tu vois par exemple. Oh pardon. Et bah là je te fais face. Non, par contre retape pas parce que là je me suis déjà fait péter le nez deux fois. Ah bah, et bah voilà. Il est fragilisé maintenant. Ouais, enfin, ouais. Tu peux taper de manière générale, hein. Attention. Bah non, qu'est-ce qu'elle a fait, une crise de nésophérisme? Mais non, mais vous inquiétez pas. Ah bah d'accord, pas merde. Oui, non, je vais bien. J'ai un problème au cœur qui est remonté. Oui, non, mais je glisse, voilà, je glisse. Ok, d'accord. Voilà, mais sinon, non, je me suis pas battu volontairement. Et puis battre aussi, la personne en face, elle doit se battre avec moi, hein. Non? Bah, ça dépend, en fait, c'est qui commence, pas forcément, quoi. Non. Tu peux te battre pour une légitime défense, hein. Oui, c'est vrai. Je peux lui péter la gueule, c'est enfoiré, oui. Péter la gueule en légitime défense, hein. Ouais, voilà, exactement. C'est qui l'enfoiré à qui tu veux péter la gueule, hein? Je sais pas, hein, c'était un... Métaphore. Ouais, voilà, exactement. Il y a beaucoup de colère quand même, non? Mais non, mais aussi, je suis gentil. Gentil, colère. Exactement. Ouais, passe beaucoup de l'un l'autre. Hein. Et... Oh, ok, d'accord. Et quand t'es au volant, donc, de ton véhicule, comment t'es plutôt sanguin? Je peux utiliser un joker ou pas? Pardon? Bah, je conduis mal, oui. Donc, Mais d'accord, je sais, mais je veux dire, est-ce que t'es utile à... C'est quelqu'un qui te coupe la priorité de l'insulter, peut-être même de rouler un peu vite, et puis d'insulter tous les gens qui roulent pas à la même vitesse que toi? Alors, moi, j'insulte les gens qui me coupent la route. Mais tu sais, il y a des personnes qui respectent les feux rouges, il y en a qui les respectent pas. Et les personnes qui respectent pas les feux rouges et qui arrivent à 200 et qui me coupent la route, alors que moi, bah, je suis pas à 200, mais enfin, je suis à 150 par exemple, tu vois. Et bah oui, je les insulte, mais c'est voilà. Parce que les gens, ils savent pas conduire. Dont moi d'ailleurs. Ah, peut-être court. Voilà. D'accord. Voilà. Et, mais oui. Oui. Mais je les insulte, mais bon, je marmonne et je fais. Oh, de toute façon, t'es un connard. Des trucs comme ça. T'as pas d'accord.
là. Pour pas qu'ils m'entendent et pour pas qu'ils soient blessés. Parfait. Est-ce que tu penses que parfois un comportement violent ça peut s'avérer nécessaire pour désamorcer une situation? Non. Non, jamais. Et non, à quel moment de la violence résout les problèmes? Jamais. Ok, d'accord. Oui. Si par exemple il y a un collègue à toi, oui. Qui s'attribue tous les mérites de ton travail, mais vraiment il mange tous les fruits de les fruits de ton travail, quoi. Oui. Comment tu réagis un petit peu? Je vais le... Bon, assez énervé. Je vais le voir, je lui dis, écoute-moi bien, petit chacal. C'est mon travail, donc tu respectes STP. Et s'il me dit, non. Tu vois, et s'il fait le mec en mode, c'est moi qui l'ai fait, t'as pas... Je vais voir mon patron et je dis à mon patron, je dis, écoute, il s'est passé ça. Est-ce que tu peux lui parler parce que c'est moi qui ai fait et c'est pas lui, quoi. Et en quel cas, si ça continue, j'aurai la vérité avec les gens et je leur dis, non, en fait, c'est moi, c'est... Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Oui. 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 D'accord. Oui. Je passe à la question suivante, t'as de voir. Oui. Alors, c'est la bon, comment dire. C'est un train, tu vois. Ouais. Il avance sur des rails parce que c'est un train. Oui. De marchandises. Ouais. En fait, sur ces rails, il y a 5 personnes. Ouais. Qui sont là, ils prennent un pique-nique. Ouais, enfin déjà, pourquoi tu prends un pique-nique sur un chemin de rail, sur des rails, Oui, voilà. Toi, la seule possibilité que tu as, c'est d'actionner ou pas actionner un aiguillage. Tu l'actionnes, l'aiguillage, bien évidemment, le train, il va changer de voie. Oui. Il va aller sur une autre voie. Puis sur cette autre voie, il y a une seule personne. Mais tu la connais pas. D'ailleurs, les 5 personnes, tu les connais pas non plus, tu connais personne. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, mais qu'est-ce qu'ils foutent sur les rails aussi? Ça, tu leur demanderas plus tard si tu veux, mais pour le moment... D'accord. L'autre personne est sur des rails aussi, on est d'accord? Oui, exactement. Donc si tu actives l'aiguillage, c'est lui qui va se faire écraser. Si tu n'actives pas, c'est les 5 qui vont se faire écraser. Ça dépend, il est de quel parti politique? Parce que s'il est de droite, Ouais, non, pardon. ça dépend, elle est vieille, le monsieur, il est vieux, c'est une vieille dame, c'est quoi, c'est un enfant Les 5 comme lui, ils sont tous de dos, et ils ont tous dans la moyenne de le même âge que toi, à peu près, que ce soit les 5 et puis la personne qui est toute seule. Ouais. Et puis t'arrives pas à distinguer, alors qu'il a une casquette, il a un pull, donc t'arrives pas à distinguer, même pas à savoir si c'est une femme ou un homme. RIP la personne qui est toute seule, mais. Les 5 personnes, même si pique-nique et tout, elles font leur meilleure fiesta, faut les sauver et tu vois, c'est un peu bête à dire, mais tu vois, s'il y a un homme et une femme, ils pourront créer un enfant et ça rendra pas la vie, mais il y aura un humain en plus que moi j'aurais tué. Enfin, du coup, j'actionne l'aiguillage et paf, le monsieur tout seul ou la madame tout seul. Ok, d'accord. Voilà. Bon, on va remonter un peu dans le temps, hein, c'est très bien. Maintenant, tu regardes un peu mieux cette personne qui est toute seule, finalement, tu la reconnais. Oui. Alors, c'est pas un ami très cher, c'est juste une connaissance, quelqu'un à qui t'as parlé peut-être 3 fois dans la vie. Ah oui. Quelqu'un que tu connais de vue, tu vois. Oui. Ouais, qu'est-ce que tu fais? C'est toujours la même chose, hein. C'est, désolé, j'active l'aiguillage, voilà, c'est rip, hein. D'accord. Voilà. Faut sauver le plus de monde possible. Oui. On va remonter dans le temps. Oui. Toi, tu vas mieux le regarder. Mm-hmm. Et en fait, alors tu le reconnais tout de suite. En fait, tu l'as pas connu à cause de son chapeau, mais. Oui. Alors, ça peut être un membre de ta famille, quelqu'un que tu tiens vraiment beaucoup, beaucoup, ton meilleur ami. Oh merde. C'est Zoé. Hein. Ta vie, ça peut être Zoé, voilà. Oh non, pas Zoé. C'est Zoé. Mais non. Quoi, qu'est-ce que tu fais? Non, pas Zoé. Zoé, déjà, pourquoi je suis pas avec lui, déjà? De 1 Justement, t'es y allé, puis tu te retrouves devant cet aiguillage, t'es allé le rencontrer. Hein. Mais c'est Zoé. Il courait après un papillon, et il s'est perdu sur le rail. Hein. Il court pas après les papillons, il a peur des papillons. Il y avait un papillon qui le poursuivait, alors.
D'accord, bah je... Oh non, mais c'est horrible. Bah oui, bah je vais rester fidèle à moi-même, mais bon, bah je suis désolée, Zoé, mais... Oui, mais faut sauver le plus de gens possible, mais oui, mais c'est horrible. Ah bah tu tues Zoé. Tant que tu tues Zoé. Enfin, t'actionnes le levier, du coup, le train, il crasse Zoé, c'est ça? Bah oui, mais bon... Attends, heureusement qu'il y a le secret médical, quand même. Bah non, mais s'il vous plaît, mais oui, mais c'est compliqué aussi, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Bah je sais pas ta place. Bah oui, bah... hein, eh. Moi, je vais vous en poser des questions, vous allez voir, oui. Vas-y, pose. Petit. Bah, vous aurez fait quoi, vous? Bon, prochaine question. Voilà, j'en étais sûr. Voilà, j'en étais sûr. Bon, et puis si c'était Kyle? Ah non, mais Kyle en... Il y a des amitiés qui peuvent se briser, là, par contre. Eh, c'est pour ça, normalement, il doit pas être là, normalement. Bah non, mais c'est pour ça, moi, c'est pour ça que je voulais pas qu'on m'inclue dans le train, là. Voilà, donc y a pas de train avec Kyle. D'accord. Hein. Enfin, moi j'aurais dit direct, je trouve qu'il me met bon. Bah ouais, mais je sauve Kyle aussi, mais c'est pour avoir. C'est pour avoir mon pépé à TKT. Hein. Ah ouais, d'accord. Je suis famous, quoi. Bah ouais, mais en fait, je ferais comme dans les films. Je te porterai, hein. J'actionnerai l'aiguillage, puis je courrai, je te porterai comme une princesse et je te sauverai la vie. Hein. TKT. Hein. Putain, je vais te chialer. Putain. Je vais penser à faire une série comme ça pour avec le life. Alerte à Kyle. Alerte à Calibou, hein. Exactement. Oh bah d'accord. Mais... Oh t'es pas fait, mais c'était la dernière question du petit... de la deuxième partie. Ouais. Donc on va passer à la troisième partie, donc les petites mises en situation, comme je t'ai dit. Il me faut juste chiffre de 1 à 17 dans l'ordre croissant. Pour ça, boire et manger, hein. L'ordre croissant, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors, par exemple, 3, 6, 9, tu vois, pas besoin que ça suive, juste que ce soit dans un ordre croissant, c'est juste que j'ai une petite liste. Donc, si tu me mets dans l'ordre croissant, c'est plus rapide d'accord. Pour trouver. D'accord. Jusqu'à 17, tu m'as dit? Ouais, tout à fait. 8, et 10 et 15. Ok, pas de soucis. Bon, on va commencer tout de suite avec la 8. Donc bien évidemment, lors de cette petite mise en situation, tu es en civil, oui. Tu es armé, et puis oui. tu as le PPA, d'accord? D'accord, oui. Oh, d'accord. Alors, est-ce que tu es prête? Oui, vas-y. Tu fais du shopping au bingo, je sais pas si tu connais. Ouais, mais moi je fais pas du shopping au bingo, hein. Bon, c'est de mauvais coup, hein. Mais vas-y, continue. Tu fais du shopping au meilleur endroit que tu préfères. Bonso Boys. Voilà, en sortant du magasin... tu prends en flagrant délit un individu en train de fouiller ton véhicule personnel. Hein, Et vous vous rappelez, en fait, tu te rappelles d'avoir laissé des biens de valeur en fait, dans la boîte à gants, peut-être même un sac d'un autre magasin que tu viens de faire. Ah hein. Oh, oui, d'accord. Ah oh, ouais, non, no way. Ouais. Bah, ouais, pris de panique en te voyant du coup arriver, il sort du véhicule, il s'enfuit en courant, qu'est-ce que tu fais? Je lui cours après. Hein. Enfin, je ferme mon véhicule et je cours après. Hein. Non, je rentre dans mon véhicule et je le cours après avec mon véhicule. Ouais, ça c'est bien comme ça. Bah pour faire quoi? Bah pour essayer de le rattraper, hein, pour voir où il va. Une fois que tu le rattrapes, tu fais quoi? Ah oui, une fois que tu l'as... Bah lui il va à pied, donc une fois que tu l'as rattrapé parce que t'es en véhicule, oui. Eh bah je sors du véhicule, je me positionne devant lui, je lui fais « Eh, c'est pas bien, tu me... » Enfin, je lui dis « Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de reprendre mon sac, enfin mes trucs, mon sac, des trucs comme ça, tu vois. Enfin, j'essaie de voir. Enfin, j'essaie de m'interpositionner. Et là, il sort un couteau, hein, parce qu'il voit que tu commences à essayer de me montrer agressif envers lui. Hein. Ah merde. Je me recule, je lave les mains, je dis vas-y, pars. Et là, il commence à partir. Et là, je sors mon arme et je le pointe. Et je lui dis « Eh !» Et il se retourne parce qu'il dit « Eh, moi je m'appelle pas Eh !» Je lui dis « Bah, Eh, tiens, tu me rends mon sac. » Enfin, mes trucs, enfin, mes bails, tu vois. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Oh, très bien, très bien. Voilà. Bah, on va passer à la petite mise en situation la prochaine. Vas-y. Tu regardes un film dans ton salon, tu vois, en soirée. Mm-hmm. En fait, tu t'aperçois à travers la baie vitrée qu'il y a un individu qui est en train de pénétrer sur ton terrain, donc. Dans ton jardin. Oh. Il fait sombre. Et puis t'es pas en mesure de distinguer s'il est armé ou autre.
T'arrives juste à reconnaître en fait que c'est une silhouette que t'as déjà vu traîner dans les parages. Oh, dans le quartier, quoi. Que tu fais? Alors, il m'a vu ou... Est-ce qu'il sait que je suis là? Ou pas? Bon, on peut imaginer, comme tu regardes la télé, qu'il y a quand même la lumière qui sort de ta fenêtre, donc sûrement, oui. Ok. Alors, je prends mon téléphone, je vais me cacher dans une chambre, enfin dans ma chambre, et je fais le 555 à Speedy. Et je leur dis bonjour, il y a un monsieur, j'ai un peu peur, vous pouvez peut-être faire une patte couille ou quelque chose comme ça. Voilà. Ok, pas de soucis. Voilà. Bon, passer à la petite dernière, t'es prête? Oui, vas-y. T'es restaurant avec tes habits? Oui, oui, Kyle. Par exemple? Oui. Et en fait, il y a une dispute qui éclate entre un client bien alcoolisé puis le serveur, donc pas du tout de ta table, une table à côté. Ah merde. Tu vois qu'il commence à s'insulter, il s'insulte. Puis à un moment, le client, très très énervé, il prend un couteau, il est en train de porter deux. Il fait deux coups au serveur, toi. Il plante deux coups de couteau au serveur. Ah oui, merde. Bah oui, qu'est-ce que tu fais? Je suis armé ou pas? Bah comme je t'ai dit, dans toutes les mises en situation, tu es armé, et puis t'as le PPA, oui. puis autre, t'es en civil. Ok, Ah ouais, c'est pas simple ça. Je regarde si... Alors avant toute chose, je regarde s'il y a quelqu'un qui, de plus musclé que moi ou quoi, qui sait intervenir, et s'il y a personne, je dis à Kyle, on fait le 555 et SPT en scred. Et lui, il le fait en scred, et moi, je... Enfin, je sais pas, je prends mon arme, mais comme dans la première situation, je lui dis, je le vise, tu vois. Je lui dis, pose ce couteau. Et j'essaie de lui parler, tu vois. Pour qu'il arrête ses conneries. Même si le mec, il est déjà mort, peut-être. Voilà. Oui, c'est lui qui a planté deux coups de couteau, donc lui, il arrête pas de mourir tout de suite, hein. Oui, bah oui, hein. Mais l'autre mec peut-être. Et après, je dis, hein. Et après, je dis à Kyle, appelle le 555 EMS quand même, le pauvre. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Oh, c'est très bien. Oui. C'est parfait. Kyle, est-ce que tu as d'autres petites questions, d'autres petites remarques? Non, pour moi, c'est clair. Ok, d'accord. Bon, hop. Je suis tendu. Je te laisse juste attendre devant la porte d'entrée, là. Ouais. On va discuter avec Kyle de tout et de tout, puis on revient vers toi. Ok, bah j'attends. Ouais, pas de soucis, adieu. T'en penses quoi? Ouais, déjà, attends, la deuxième question, elle a bien répondu ou pas? Bah oui, la deuxième, oui. Enfin, la mise en situation, tu veux dire? Ouais, la deuxième mise en situation. Oui. Oui, elle a bien répondu, oui. Elle se cache dans une pièce sécurisée, puis elle appelle l'SPD. Ok. En fait, c'est juste les autres mises en situation où c'est un peu... La troisième me semblait plutôt bien aussi. Hein. Oui, en fait, la troisième, j'ai toujours un peu de la peine parce que... En fait, ça tout dépend de quel moment, parce que quand ils disent bonne réponse par rapport à notre truc, c'est tout de suite appeler les EMS et puis d'intervenir sur la personne... qui a été pris les coups de couteau, mais quand la situation, quand elle se termine, ouais, t'as pas l'impression que t'as la possibilité de faire ça, quoi. Non, totalement, c'est au jugé, hein, ça permet de voir un peu la réaction des gens. C'est pour ça que pour moi, la dernière, elle est d'accord, la deuxième, elle est d'accord, la première, elle est plus compliquée, quoi. La première est pas compliquée du tout, hein, et le fait qu'elle soit sanguine et qu'elle puisse s'énerver rapidement, ça me fait un peu peur. Ça, c'est tout à fait, oui. Je sais pas. Après, je sais pas, attends, parce quoi, toi, si t'étais tout seul, t'aurais fait quoi? Bah, en vrai, c'est. Oui. Moi, je peux t'aider beaucoup parce que. Elle a ce côté sanguin, elle a ce côté un peu. Insulte. Moi, j'ai vraiment, c'est pas un style qu'elle se donne, plus qu'une vraie posture, qu'un vrai truc. C'est pour ça que je sais vraiment pas du tout. C'est vrai que c'est peut-être plus un genre qu'elle se donne et qu'au fond elle est pas si agressive que ça. Bah, moi j'ai complètement oublié l'attaque qu'elle avait fait, enfin l'attaque, la tentative d'agression qu'elle avait fait à place des cubes.
Mais j'avoue que quand je la vois, je la vois rarement. Quand elle s'énerve, enfin, elle, ça va jamais plus haut que ton. Enfin, c'est plus comme un pont, tu vois. Le pont, il ouvre sa queue, il fait le beau, mais finalement, ça va jamais plus long que ton. Ok, bah écoute, pour moi ça me va ce que tu penses. C'est vrai qu'en plus, elle a eu pas mal de conflits. Hein, là, ça s'est jamais réglé à l'arme blanche de ton côté. Hein. Ah ouais, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça que je me dis que c'est plus une manière de se défendre ou bien de se rassurer elle-même que plus une vraie position de... ouais, d'agresseur. Ouais, totalement. Bah écoute, ouais, t'es parfait. Je te laisse le valider, hein. Enfin lui dire. Hein. Ouais, d'accord. Ouais, bah je vais lui dire. Ah, t'es bon, ça va? Adieu! Oui, t'es prêt pour la nouvelle? Oula! Tu veux t'asseoir peut-être avant, non? Non, t'es gâté, je suis forte! Attends! Et pas tout, pas tout. Attends, quand même, ouais, que je me mets en position. Vas-y! Ouais, pas tout. Oh merde! Alors, pas de discussion, puis délibération. Nous sommes d'accord avec moi-même, avec le docteur K, responsable pour psy. Ouais, de t'accepter le PPA. Ah! Du coup, encore une enquête rondement menée par Yongnekim. Pourquoi? Non, je sais pas, j'avais envie de dire ça. J'ai cru qu'on allait finir sur live hein, pour je sais pas, une enquête à la con. Hein. Non, pas du tout. Non, je fais jamais d'enquête sur vous, je vous aime trop. Parce qu'il y a pas tellement de choses à enquêter. Hein. Ouais, là, t'aurais pu enquêter, hein. Enfin bon, ouais. Enquêter sur quoi? Bah, c'est ça. Mais du coup, un agent de la LSPD va te recontacter hein, pour passer le test pratique. Ok, je vais pratiquer. Exactement, tu vas tirer. Je vais pratiquer. Ah ouais, je vais tirer. Ah ouais. Tu vas pouvoir tirer ton coup. Hein. Ah ouais, je vais tirer des coups. Exactement. J'en rêve depuis que je suis petite de tirer des coups. Ok, bah super. Ouais, hein. Ouais. Hein. C'est pas allez. Vrai, ça commence à devenir dégueulasse. Hein. Exactement. Exactement. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, hein. C'est Jake qui m'a pris ça. T'as qu'à 20. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ah, bah merci! Rien du tout, hein, mais. T'es beau comme un camion! Ah, bah merci, ça me fait plaisir! Pas rien! Tu te déplaces comme un camion aussi, hein! Bah, c'est-à-dire? Dis poète-poète pour voir! Hein. Bah, poète-poète! On peut pas remettre notre décision! Ouais, on va peut-être enlever! Hein. Ah non, merde, s'il vous plaît! Hein. On n'a pas encore quitté l'enceinte des EMS, hein. Personne ne sait qu'on a accepté. Merde. J'ai peut-être validé direct à l'ESPT. Après ça c'est coche. Oh putain, il y a du monde ici. Oh la vache hein. Ouah, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Sous les... J'ai quitté la radio, qu'est-ce qui se passe? Ben moi aussi j'étais sur la radio, hein. Je sais pas ce qui se passe. Hein. Je sais pas bien, là. C'est pas normal. Hein. J'ai peur, je connais pas ce monsieur, j'ai peur. Lequel? Le monsieur qui est devant vous. De plus sur mon salaire. Lequel? Parce que là il y en a plein hein, des messieurs. Bah le monsieur qui est pas EMS. Non, c'est 139. Non. C'est qui hein? Bah, j'ai pas rien moi. Je sais pas, j'ai peur. Bah, t'as peur. Moi j'ai surtout peur du fait qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Bah ouais. $686 de plus. C'est raisonnable. La jupe, je veux bien la porter. Mais. Attends quoi? Ça sera des. Du temps partiel. Nicolas, tu vas porter des jupes hein? Bah, c'est l'objectif où il a envie. Qui c'est que ça choque hein? Personne. Ouais. Personne, hein, il est peut-être ricoché. Il enfin, c'est beau. Par contre, Nico, va falloir ses pieds et pattes, hein, parce que alors là. Damien, tu parles d'épilation, mais tu ressembles à un Wookiee dans Star Wars. Ouais, ça, exactement. Ouais, mais. Si tu veux, Nico, je t'autoriserai à prendre mes bandelettes dans la salle de bain. Bon, déjà... je voulais voir mes jambes, quoi, en gros. Non, ouais, ça va aller. Vas-y, monte le matos. Ah, je veux les jambes, ça ouvre à quelle heure? Voilà, je vais quand même m'écarter. Oh, t'es beau! Ouais, c'est bon, alors... j'ai vu mon cul il y a deux jours. C'est beau, un homme qui s'assume. C'est un mec. D'ailleurs, on a appris à Kyle comment faire une machine à laver hier. Oh merde. J'ai tout quelle est ta question, Ryan? Kyle, t'as pas cassé la machine, j'espère. Ah non, c'est Damien qui a tout fait. Pourquoi quoi? Oh. J'ai pas entendu, pardon. Et pourquoi ce choix de caleçon, oui? De caleçon, Nico? Bah, parce que je m'aime et t'as un problème? Ouh. Moi je dis baston dans le garage en bas. Hein. Ah ouais, il y en a un, il est à fond pour la baston là. Allez.
Ah ouais, oh ça dit les termes là. Ah ouais, vas-y Nico, te laisse pas faire. Alors, plutôt me mettre là pour avoir un point de vue. Je pense que le point de vue d'un puceau ne m'intéresse pas. Aïe aïe aïe. Attends, tu me parles à moi là ou tu me Vas-y Benjamin, vas-y Benjamin, éclate-le, éclate-le Benjamin. Benjamin. Vas-y, vas-y, dis-le moi. Vas-y Ryan. Tu peux le faire, tu peux le faire. Tu parles qu'est-ce qui se passe à Damien ou tu parles à Kyle là parce que j'ai pas trop compris. Ouah. Au moins, d'accord. Ricochet. Ryan, au moins moi j'ai passé la puberté, j'ai des poils hein. Oh ouais, ça c'est ouais. Ouais, moi, c'est je passais moyen, la puberté, mais j'enlève les poils. On dit haut pour la forme, mais. Je préfère avoir passé l'étape du touche pipi plutôt que d'avoir des poils, désolé. Hein. Moi, je me branle pas sur une elfe obèse. Hein. Ouh sur une quoi rêve. Sur une quoi Sur une elfe obèse, hein. Ouais, j'ai vu son fond d'écran, ouais. Ouais, ouais. On voit. Ah, non, bah... Attends. Moi, je l'ai, hein. J'ai la photo. Ah, tu l'as ah, allez, vas-y, alors, voir. Putain, je sais plus où aller, hein. Attendez. Comment ça, j'ai plus ton numéro de Jessie? Mais t'as supprimé mon numéro? Comment ça? C'est tout ce que je représente pour toi. Ah bah visiblement. Vas-y, redonne-moi ton numéro. Ah c'est lui Jessie. 95-50. Ah salut ouais. Bonsoir, enchanté. Ouais, enchanté ouais. Ouais, adieu. 95-50. Je m'appelle Teuse, enchanté. Teuse? Tu sais qu'on a presque le même numéro Jessie. Ah bon, t'as quel numéro toi? 95-75. Ah d'ailleurs. Ah ouais. Pour faire le point. Je l'ai plus, ok. Vos voisins de numéro n'ont toujours pas répondu? Non, jamais répondu. Non, mais j'avais répondu non. Quelqu'un va boire ce teuse. Il y a la machine à café à 40$ si tu veux. Ah putain, c'est vrai, bouge pas. Teuse, envoie-moi l'image. Allez, tiens, je t'envoie ça. Oh putain. De l'elfe obèse. Tu veux voir l'image de l'elfe obèse, Damien non? Vas-y, au revoir. Ça, c'est l'elfe obèse? Ah non, ça, c'est pas une elfe obèse. Ça m'intéresse aussi, hein. Bon, je m'étais dit, tirer porn. Allez, nickel. Teddy, j'espère que tu seras clean le jour où on le fera, par contre. Ah, toujours. Ok, super. Promis, j'irai pas au Unicorn une semaine avant. D'accord, super. J'irai peut-être la veille, mais une semaine avant, j'irai pas. D'accord. Tu veux. D'ailleurs, Cal, j'ai pas eu ma paye pour cette semaine. De quoi t'as paye? Ah, merde hein. Ouais, mais c'est vrai que depuis que je te paye, tu parles beaucoup moins de cul. Hein. Je te donne ça, attends, je suis en train de chercher l'elfe. Ah, je veux bien, ouais. Voilà, mais attends, j'ai pas ton numéro, moi, du coup. Mais 95-50. 95-50, ok. Et c'est quoi ton nom? Jesse, J-E-S-S-E, y'a pas de I, pas de Y. N'est-ce pas, Teddy? Eh, tout à fait, oui. Moi non plus. J-E-S-S-E, oui. Attendez, attendez, j'ai quoi? Tant Teddy, ça s'écrit J-E-S-S-E. Oui. Bah, Jess. Ah bon? Toi, tu l'as écrit comment? Non, Jesse. Et c'est 555 quoi du coup? Parce que j'oublie avec ton prénom. 95-50. Merci, Teddy. 5-0. Ouais, c'est pour ça que t'es pas con. Oui. Ah bah oui. Voilà, par contre, on va se calmer. Hein. Je pourrais être aussi très bien patron. Teddy, vas-y. Teddy, c'est ton tour. Après, oui. Vas-y, Teddy, dis les termes. Vas-y. Quand on sera capable de retirer du bureau. Oui. Pas de problème. Trop facile. Hein. Et c'est vrai. Ouh, si, quand même. D'ailleurs, n'oubliez pas que Teddy cherche une secrète. Enfin, ah, mais excellent. Putain, t'aurais quand même pu zoomer. Hein. Bah, je fais ce que j'ai pu. Hein. Moi, je voulais pas zoomer sur ça. Hein. Déjà, je me suis approché un peu trop près du bureau, hein, vu ce qui devait se passer. Et moi, j'ai pas reçu l'elfe obèse. Qui... Oh non, mais. Attends, toi, tu penses qu'à ça. Mais si, alors déjà, toi, si. T'as pas besoin de ça. Ouais, en fait. Tiens, Lui, il voit une femme, il fait Oonga Boonga, c'est bon. Ah, c'est mais clair. Non, ça... Y'a que quand je te vois, Youngni. Oula, quand tu vois d'autres, enfin bref. Ouais. Tiens, je vais te donner 400$. Bah, moi aussi, je veux bien du pognon. Hein. Pour qu'il fasse quoi, tu lui donnes? Nickel. Pour qu'il se vide un peu, hein, qu'il calme ses ardeurs. Ah oh, ouais, chou. Et c'est pour lui du corde, oui. Non, c'est ouais, pour ouais. Lui qu'il arrête de parler de cul. Exactement. Parce que sinon, Damien, il déborde après. Pour un stéthoscope, il a une demi-molle déjà. Donc après. Le problème, c'est que sur le pantalon noir, ça se voit. Ah oui. Littéralement, il déborde. Et ben voilà. Ça sort de son nez. Hein. Oh merci. C'est dégueulasse, oui. Non, alors là, c'est. C'est sexoscope ou j'ai rêvé? C'est pour ça qu'avant il portait des pantalons blancs et puis que maintenant il peut porter des pantalons noirs. Je suis pas fan des angles de Yumi. Oh bah tu fais ce que tu veux. Hein. Bon, allez, moi je vais vous laisser. Hein.
Et passe une très bonne soirée. Et bah, bonne soirée. Ouais, et bonne soirée. Ouais. Et n'oublie pas qu'on cherche une assistante de direction. Hein? Mais oui, mais moi je veux passer mon entretien d'embauche, mais en fait, j'ai pas envie. Mais non, mais dès qu'ils veulent poste, alors je lui laisse. Je suis magnanime. Je sais pas si c'est le bon mot. De quoi? Magnanime. C'est pas un Pokémon, ça? Ça fonctionne. Bah, je suis magnanime alors. Bah, je sais pas. Et c'est quand le truc, c'est que plus c'est moins, ça s'attire, c'est ça. Exactement. Ça, c'est un aimant, ça, non? Oui, mais les aimants, c'est magnanime. Reste-toi avec Nico. Hein. Les aimants, c'est magnanime? Oui. Eh bah, c'est bon à savoir. Eh bah, bonne aimant à tous, hein, des bisous. Hein. Et allez, merci. Allez, bisous, et... Salut. Hein. Oui, tu as dit, t'as dit quoi? Nique lui sa mère. Adieu, hein. Ouais, hein. Adieu, Gavin. Ça va bien? Bisous, moi, ouais. T'as joué, toi? Ah, c'est Pi, du coup. Du coup, tu voulais qu'on se parle? Bah oui, du coup. Bah viens. J'arrive. C'est le dé. Ça fait des cachotteries, là. Juste, ça va faire des trucs hein. De pôle social. Là, c'est le moment de lancer des rumeurs, Nico. Vous savez que Nico, apparemment, il sort avec Damien, non? Ah merde, t'es là. Oh là là. Mais non, mais ça c'est vieux, ça c'est vrai, ils auront pu depuis. Vrai. C'est vrai. Ah ouais? Ils auront pu, hein. Moi, je les ai revus se tenir la main dernièrement. Non, mais attends, pas du tout. Depuis le départ d'Anna, ils sont vachement rapprochés, je trouve. Hein. Ça va, Nico? Ah, je crois qu'il est dépité par le niveau des conversations ce soir. Oui. Je n'écoute pas ces calomnies. Enfin, c'est... Ah, pour moi, c'est un niveau classique. Ce qu'on met sous les portes pour éviter qu'elle bouge trop, ça. Merde, je devais rappeler un patient. C'est nickel. Non, mais t'es devenu trop malin, t'es dit, j'arrive plus à suivre. Ah, oui. Ah, je suis vif. Du coup, je peux te dire, c'est pas moi il y a quelques mois. Voilà, tu peux dire ça. Et d'accord. Est-ce que je peux dire... C'est toi. Tu peux dire c'est toi il y a quelques mois, ouais. Et je peux dire ça. Oui. Alors... n'est pas bonne. Les lunettes, c'est pas bon. Bien vu, bien vu. Hey. Et non, c'est pas toi, c'est ton collègue derrière. Hey, tout à fait, c'est Damien. Ouais, tu veux... Alors, petit cours. Regardez bien, là, regardez bien. Apprenez. Et voilà. Oh, c'est comme ça qu'on surveille une machine à café. Putain, ça, c'est beau. Attends, on va le reprendre, ouais, du coup. Ouais, comme ça, dans 3 mois, on pourra le refaire. Hop là. Oh, elle est belle celle-là. Là, quand tu passeras stagiaire et que je t'enverrai ça, là, tu me diras d'ailleurs, tout le pognon. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens du dossier qu'on avait dû faire pour passer docteur. Oh. Ouais, je me souviens, ouais. Eh ben, j'étais tout à fait ici présent pour la photo pour agrémenter mon dossier. Ouais, je sais. Oui, non, mais je me rappelle bien. Photo, hein. Ouais. Moi aussi. Je me rappelle dossier complet. Je me souviens du dossier des 5 lignes, pardon. Je me souviens aussi du dossier du baron. Hein. Oui, putain, oui, merde. J'aurais bien aimé pas m'en souvenir de celui-là. Non, moi, je m'étais fait chier. À faire un dossier. Bah ouais, le dossier que j'avais fait, il était archi cool. Une affiche, ouais. Ouais, un peu affiche, ouais. Mais bon, on va comme ça. C'était pas lui qui était. Il t'avait complètement piqué ton truc, toi. Mais il avait tout fait pareil, sauf que. Il avait juste changé sa tête. Voilà, c'est ça. Sur toutes les photos qu'il y avait. Ah, je vous gêne, vous me dites. J'ai bien compris. Non. Bon, bah, je vais me mettre en face. Eh ben, comme vous voulez. Tu peux me tutoyer, on est collègues. Eh ben, enchanté. Eh ben, enchanté, collègue. Et du coup, tu reviens ou... Bah, je sais pas, je... Je tâte le terrain. J'ai 6 stagiaires, aïe aïe aïe. Non, jamais. Direction. Ah, nouveau stagiaire. D'ailleurs, comment ça se fait? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu stagiaire 1. Elle est toujours vivante, hein. Pas de nouvelles, je vais lui envoyer un petit mail ce week-end si j'y pense. C'est laquelle? Parce que j'ai perdu. Quelqu'un t'a dit. Oui, mais j'aurais quand même mon téléphone pro. Du coup, si j'ai un petit bout de temps, peut-être que je ferai ça. Oui, c'est vrai, on n'a plus qu'une seule stagiaire, c'est vrai. Un jazz stagiaire de on n'a plus qu'une seule stagiaire. Après, ça fait un bon moment qu'il y a les stagiaires A. Là, je ne l'ai jamais rencontré. Pareil. Moi non plus. Particulière, mais gentille. Ah, mais oui! Je vois bien, ouais, elle venait grave le matin.
Non, non, j'étais unité. Non, pas, pas non, elle. Non, 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 elle est partie. Dodo, ça fait pas longtemps. Elle est partie. Ah oui, là, toi, tu parles c'était de Abby. Abby, ouais. Oui, Dodo, Abby est partie. Dodo, là, c'est la petite fille de Jonathan. Johnson. Oui, oh, oui, merde. Oui, comme tu dis, oui. Ça va quelque chose, ça, aussi. Et tu vois, c'est pour ça que je suis pas trop, trop fan du piston, oui. Attends, mais du coup, Jonathan, il est revenu depuis? Non, il est juste à titre consultant. Ouais, mais tu l'as revu, toi? Oui, je l'ai revu plusieurs fois, oui. Ah ouais. Par-ci, par-là, mais... Je sais plus quand est-ce que c'est. Je crois que ça fait 2 mois que je l'ai pas vu. Ah oui? Oui, bah, en gros, il est parti, il m'a dit, t'as dit, le boulot que tu fais, c'est pas trop mal, je te laisse tout, je te laisse la boutique. Et il s'est barré. Ouais, c'est beau, ça. Ouais, du coup, je suis décisionnaire de tout. De tout? De tout. Ah ouais. C'est le papa. Genre, si par exemple, un peu président, là, quoi. Si là, instantanément, je veux virer Kyle, je peux. Ah bah vas-y, fais voir. Mais je vais pas le faire si j'ai besoin de quelqu'un pour gérer le pôle psy pour ah pardon, j'ai eu un peu peur. J'ai eu un... Et là, Gavin dans sa tête s'est dit ouais, promotion. Gavin, t'es viré. Pourquoi j'ai rien fait? Il peut pas te virer, Gavin. Ah, d'accord. C'était au cas où. Hein. Il peut demander, mais il peut pas le faire. T'as dit on peut virer Gavin? Non. Ah oh, merde. Si on vire Gavin, moi je fais grève. Ah, t'es vrai? Oh bah merci. Attends, ça dit que c'est de merde, hein. Ryan, ouais, j'ai souvenir que t'as des devoirs à faire aussi. Merde! Vas-y, balance ça. Ryan, ouais, t'es viré, tu vas voir, ça fait plaisir. Ça fait vachement plaisir. Non, j'ai besoin de lui. Et du coup, c'est ton frère, Benjamin? Quoi? Tu parles du truc blond avec une chemise blanche, ouais, c'est mon frère. Ah ouais. C'est pas trop dur? Un demi-frère. Si. Non, je parlais à ton frère. Demi-frère. À ton frère, assume-le un petit peu, non? Je lui assume. Oh bah je vois ça, ouais. Assume-le complètement. Attends, le pauvre, il est complètement perdu depuis que tu lui retires tout l'amour que tu devrais lui donner en tant que frère complet. Je vais donner de l'amour, hein, faut pas croire. Hein. Ah oui. Ah oui, ouais, d'ailleurs, Ryan, le dis pas trop comme question. Ça, Karim, mais ça... Comme... Arthur, il passe payer la taxe foncière ou pas? Tu risques de te retrouver à la rue, oui. Quoi? Ah bah oui, s'il n'y a personne qui paye les impôts, tu vas te faire expulser de l'appartement, oui. Ah non, ils peuvent pas, je suis mineur. Ah, je crois qu'ils ont quelque chose à foutre. T'inquiète pas, Ryan, à la maison. Ryan, dans mes souvenirs, il y a des tentes pas très loin de chez toi. Non, puis à la maison, j'ai un très beau carton, hein. Il tire très bien. Je vais peut-être renseigne-toi là-dessus, oui. Peut-être que ça vaudrait le coup. Peut-être que c'est toi qui paye la taxe foncière. Putain, il passe son temps à baiser à droite à gauche dans tous les pays du monde, mais il pense pas à payer la taxe foncière pour que je puisse vivre chez lui. Sacré Arthur. Bah, tu lui envoies un petit bail quand même. Bah, faut bien qu'il fasse des bébés honnêtes. Hein. Le placard du chat, mais où? Non. C'est vrai qu'il y en a déjà eu un qui était pas demandé, et puis ça suffit. Après, je t'emmerde, hein. Une petite douzaine de demi-bénettes, ça peut être très drôle. On va faire une équipe de foot US. On pourra les embaucher. Ouais, on pourra les embaucher. Vous allez faire une équipe de foot. Ça sera le EMS Bénette Football Club. Merde. Oh, très bien trouvé. Ça tombe bien, en plus, j'ai fait des études, je suis coach de football, donc je pourrais vous coacher si vous voulez. Bah putain, il reste plus qu'à convaincre Arthur de baiser à droite à gauche. Tu vois Kyle avec un ballon? T'as pas besoin de me convaincre. Ah non, mais moi je joue pas au foot, hein, c'est un truc de pauvre. Ah, de la sueur, au secours. Ah, ouais, ah oui, dans la sueur, ça pue et c'est fatiguant. C'est clair. Oh, là, t'es... Ah, tu parles, ouais. il va toucher le ballon, il va se péter un ongle et après il va pleurer. C'est bon, c'est pas la peine. Hein. Bah, je serai un vrai footballeur, hein, professionnel. C'est pas faux. Voilà. En tout cas, pour le théâtre, t'as tous les talents. Ah, bah, c'est quoi ça, hein? Elle te laisse pas mal parler par ton sous-fifre là. Hein. Qu'est-ce qui Mais quoi? Il y a 40 médecins juste à côté. Il va y sonner. Mais quoi? Bonjour. J'en peux plus. Hein. Oh bordel. Il y a des mecs qui me fatiguent. Ah, c'est et pas bah... le stylo le plus cher de la trousse, je pense. Et hein. Bah lui, il est pas très très net. Hein.
Attends, j'ai envie d'écouter son excuse. Et du coup, ouais, c'était il y a longtemps. On est quel jour là? Quelle date? Alors, on est le jeudi 20 avril. Jeudi 20? Waouh. Je crois que moi, c'était la soirée, c'était le 8. Ah oui, d'accord, oui. Enfin, la soirée. C'était une belle sieste, ouais, hein. Ouais, une belle rêve partie, ouais. Bah, du coup, voilà, je me sens pas folichon là, Ryan, je t'avoue. T'es dit juste un petit. Vas-y, tu vois. Tu as 15 minutes. Vous saviez pas que vous aviez un gars dans le coma là? Bon, on les oublie des fois et après ils se réveillent. Hein. Alors. Ouais, il y a la femme de ménage qui met un peu d'eau dans leur perf avec là à côté de la plante verte et ça passe quoi. Ouais, c'est bien, ouais. Je suis pas sûr que du coup les doses soient respectées, mais tranquille. Non, mais ça passe. Regardez, hein, il marche debout, il est vivant. C'est vrai que ça a l'air d'aller bien. Hein. Bah ouais. C'est bon, c'est fait. Nickel. Bon, moi, de toute façon, les collègues, je vais filer, je reviendrai sûrement dans la soirée. Hein. Allez, très bonne soirée à toi. Ok. Hein. Bah, vas-y, à tout. Et puis, peut-être à la semaine prochaine. Bonne soirée. Adieu. Hein. Non, mais on se voit. Hey, demande à Nico, moi, je passe tous les jours. Eh ben oui. Ouais, là, tout le week-end, je suis pas là. Donc... Ah bon? Ouais, moi non plus. Donc, excusez les gars. Coup, à la semaine prochaine. Bon, c'est quoi ça? Attends, baisse. Ah. Putain de merde. Complètement taré lui. C'est quoi ça? Non. Ça va. C'est qui a dit que j'étais taré? C'est moi, monsieur. T'as pas compris ce qui m'arrive. Ouais. T'es fait exprès quoi? Allez, non, c'est bon. Voilà. En même temps. Non, mais t'es con quoi. Pardon? Tu viens de fracasser l'entrée des EMS. Normal que je te pense que t'es un taré. Bah ouais, si. Ouais, tu devrais te sentir juste le cul merdeux là. Pourquoi tu fais le show? Attends, il est sérieux lui? Bah ouais, je suis sérieux. Je pense que c'est assez légitime que je pète un câble. Tu rentres devant les EMS comme un taré. Parce que je me suis pris une putain de bagnole et ça m'a fait voler jusqu'ici. Débile. Ok, ça marche. Ok. Mais bah putain, t'es debout là sur tes jambes, c'est incroyable. Et t'as assez d'énergie vraiment, pour. Vraiment, je si je plante là. Ouais, je vais le faire. Okay. Non, ouais, allez, c'est pour vraiment, rentrer à l'intérieur. Ouais, ça marche. C'est que c'est débile. Vraiment. Bon, alors que du coup, il y en a un de vous qui s'occupe de monsieur. Vous l'emmenez dans une salle de soins. Allez, bah, j'ai juste besoin de me changer, ouais. Du coup, Sepi est pas là. Mais Sepi intègre le pôle social, voilà. Bravo Sepi, okay. Bravo Sepi. Mais il est dehors. Okay. Putain, la triade toujours bravo aussi con par contre. Hein. Oui, j'avais déjà préparé le message LSPD E. Ah ouais, d'accord. Bah attends, t'as vu ça? Il a défoncé l'ambulance en arrivant. Bah ouais, et puis ils sont méchants avec un... Enfin, ils sont agressifs. Oui, hein. Hey, mais ça veut dire qu'il roulait pas à la vitesse réglementée. Après, je comprends qu'il respectait pas comme moi, mais bon. Quand tu défonces la porte des EMS, le minimum c'est s'excuser quoi. Oui. Non, mais et puis en plus, il est à contresens. Les gars, hein, ils plantent un EMS en service et ils s'excusent pas. Donc défoncer la porte, je pense pas que ça leur pose problème. Hein. T'imagines, il serait rentré dans le hall avec sa bagnole. Je prends l'IRM. Non, je pense pas que ça soit pas bien reçu. Bah, j'ai pas testé après. On peut tester. Non, je vais chercher ma bagnole. Non. J'ai cherché ma bagnole, on va faire. En soi, avec une moto, oui, ça passe. Oui. Mais non. Je suis curieux, j'ai bien envie de tester du coup. Bah non, mais non. Je pense non. Que ça passe avec l'ambulance. Avec l'ambulance? Bah non, ouais. Jamais de la vie quoi. Jamais de la vie l'ambulance ça passe. Allo? Avec un hot rod, ouais. Allo? Avec deux doigts, peut-être. Allo Hugo? Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive hein? Et t'as fait partie de la triade, ouais. Non, tout va bien. Ah putain, mais hein, tu m'as fait peur, hein, Mais t'es aux EMS, hein? Non, pas du tout. Non, parce qu'il vient d'avoir une embrouille avec la triade, quoi. Ah merde, c'est vrai? Ouais, non, mais ça va trop fort, rien, ils sont juste cons, comme d'hab. Et ils t'ont pas trop fait chier, si? Non, c'était pas sur moi, mais... Donc t'inquiète, hein. Ah, ok. Eh ben non, écoute, j'étais pas au courant. Hasard, pur hasard. Ah ouais, non, Je sais tout, Kyle. Oh merde. Du coup, ouais, je t'appelais pour savoir si t'étais dispo pour qu'on voit pour que tu nages. Eh ben oui, c'est possible.
Ah bah t'es dispo là. Ouais. Ok bah vas-y envoie moi un point et je viens te chercher. Bah écoute je suis au live actuellement. Ok bah je viens de chercher un... je viens de chercher au live hein. Super bah tout de suite. Tu veux non vas-y ouais. Je m'habille en civil. Ok bah t'inquiète j'arrive. Salut. Oui bien sûr. Merci. Kyle je pars en consulte extérieure. C'est pis je pars au auto. Ryan, je libère l'IRM. Ouais, c'est nickel. Vas-y, bah la bonne soirée, gros, bon courage. Allez, très bonne soirée. Oui. Bim. Quelqu'un le prend ou je le prends parce que je veux que mon ambulance elle galère un peu du coup. Alors, qu'est-ce qui se passe? On sait pas. Je sais pas. Au secours, une ambulance SVP. Ah. Nickel. Tu veux t'en charger, Ryan? Moi, je te cache pas que je me casse dans 8 minutes exactement précisément. Donc, Bah, nous, on est auto parce que mon ambulance est dans un petit désespoir un peu. Ryan non, je vais y aller. Je remplis juste ma feuille de soins. Allez, ça marche. C'était quoi son nom à lui? Rico Benamek. Ah, oh, c'est monsieur Rico. Monsieur Rico. Ah bon? Bon Rico Benamek. Salut. Oui. Mais depuis quand il a cette coupe de cheveux, lui? Putain, je me souviens plus qu'on l'avait, chez nous, lui. Je prends l'appel entre. Ok, bien reçu. Enfin, j'aime trop cette caisse. Putain. Ah de ouf, il s'est fait écraser les pieds. Putain vache, je déconne tellement. Oh, je sais même pas s'il y a un compteur pour... enfin un limitateur de vitesse. Ça m'arrangerait pas mal. Je connais cette voiture par cœur. Pourquoi? C'est ma nouvelle. Ma voiture avant. Ah ouais? Je te l'avais montré en écaille de serpent jaune là. C'est vrai, c'est vrai. Bah c'est ma nouvelle maintenant. Elle est trop bien, non? Elle est super. Vas-y, mets-moi un point où c'est l'endroit où il y a de l'eau. Bah partout. Mais tu m'avais dit que t'avais trouvé un endroit un peu sympa ou un... Où je me sentais un peu plus qu'ailleurs. Ouais. Alors putain, exactement où je sais plus, mais c'est dans ce coin-là, je crois. Je veux pas te dire de conneries. Vas-y, hein, on va dans le coin. Putain, ah oui, d'accord. Hey. Attends, c'est où? Ah ouais, d'accord. C'est la mer là-bas. Hein. Fait, ouais, mais c'est pas la mer. C'est y a un petit creux de sable avec de l'eau de la mer dedans, mais c'est pas connecté à la mer. Ouais. Et justement, vu qu'il n'y a pas de poisson, j'aurais moins peur. D'accord. Putain, mais c'est pas vrai. Quoi? On vient de partir, il y a quelqu'un qui sonne à la queue. Bon, l'emmerde, non. Ouais. Au pire, il écrit un message d'entreprise et je voudrais le voir.
Bah, je l'appellerai. Non, parce que depuis le temps qu'on essaye de se capter, en plus, hein, ce serait quand même dommage qu'on n'y arrive pas là. Ouais, c'est ça, et puis j'ai fait une noyée l'autre jour. T'avoue que j'aimerais bien. Ouais, ouais ça urgent. Commencer quoi. Elle me manque cette voiture aussi. Elle est trop bien. Elle est incroyable. C'est une fusée. Tu sais que j'ai plus de voiture ? Comment ça se fait ? J'ai tout vendu. Tu te déplaces comment maintenant ? En BMX. Ah ouais, la roue libre. Ouais. Est-ce que j'essaie d'économiser pour une autre voiture ? Ah, ça doit être une grosse voiture. Ce sera la voiture ultime, ouais. D'accord. Ce sera sûrement ouais, la voiture définitive. Je l'achète, je la revends pas celle-là. Tu vois la Nero Custom ou pas ? Pas du tout.